Bonjour à tous, alors ça n'a pas fonctionné ce que j'ai voulu faire, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, mon micro est tombé en panne donc je ne peux pas vous avoir bien, mais typiquement ce que j'avais prévu n'a pas fonctionné, donc c'est super, je crois. Bon voilà, normalement il devait y avoir une petite musique avec le live, le live était, une petite musique sympa, mais je vois qu'il y a des gens qui voient ma vieille tête, donc ça c'est un peu moins sympa, et je voulais savoir si vous la voyez, parce que moi je la vois sur mon écran, normal, du genre entre carrés, et il y en a un, elle est décalée, donc je sais pas si vous avez en fait l'aperçu que je vois ou un autre truc, donc voilà, et l'écho, j'y peux rien parce que j'ai pas de micro, donc c'est l'écho habituel, mais j'ai pas de casque, je n'ai pas d'argent, donc voilà, j'ai pas les moyens d'acheter un casque et tout, donc voilà, s'il y a trop d'écho, sinon j'annule le live, en fait c'était surtout pour voir si ça fonctionnait, puis vous parler un petit peu. Mais j'ai pas de quoi faire mieux, on va dire, ce soir. Donc voilà, je vois des décalés, mais décalés de quoi, en fait. Une partie en fond bleu, oui, c'est normal. J'essaye d'évoluer sur la qualité. Les écouteurs de téléphone. Ouais, peut-être. Attendez, je vais aller les chercher. Je vous laisse discuter entre vous, je reviens dans 5 minutes. C'est le live de la débrouille. En fait, je passe par un nouveau logiciel pour un peu améliorer, mais voir en fait si je repasse par StreamYard, c'était trop compliqué pour mon ordi. Alors. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez mieux avec les. D'habitude? Avec les écouteurs? Ou est-ce qu'il y a encore un écho de ouf? Il n'y a pas de réponse. Oui, c'est bon, nickel. Ok, ben on va rester comme ça. Je suis désolée, hein, c'est vraiment du test. Hein, vous êtes un peu mes cobayes du soir. Voilà. Donc, j'espère que je ne suis pas décalée sur votre écran. Et voilà, donc c'était un petit peu un fail. Mais dites-moi si, bien sûr, vous avez pu voir la petite vidéo au début d'annonce du live. J'essaye de faire comme Michaela, mais je ne suis pas aussi douée. Et je la remercie parce que c'est elle qui m'a un peu aidée parce que je passe sur un truc qui s'appelle Stream Element, OBS Studio, bon, les trucs de stream sur Twitch et tout ça. Et je suis pas très douée, voilà, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, donc voilà, je vous souhaite, je remonte dans les commentaires, ça va être assez nouveau, donc je vais sûrement avoir un petit peu de mal à tout bien faire, et j'espère que je vais pouvoir lire mes commentaires correctement. Donc voilà, donc je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, je sais même pas où je peux voir qu'il y ait du monde ou pas, voilà, donc je vais rester là-dessus, je descends jusqu'au dernier commentaire. Tac, tac, tac. Je descends, je vois l'écho. Vous allez vous dire, la nana n'est pas aussi performante que d'habitude. Bah oui, je suis un peu fatiguée en fait, voilà. Tac, tac, tac. Il y a l'air d'avoir un décalage dans le cadre, mais j'arrive pas à le décaler sur le programme. Mais dans mon aperçu, moi, il est bien. Donc, je comprends pas trop s'il y a un décalage ou pas. Voilà. Bon, au pire, vous aurez ma tête en décalage. Est-ce que ça choque beaucoup? Ce n'est pas grave. Impeccable. Parfait avec les écouteurs. Voilà, je vois que des gens sont contents de me voir. Je suis contente de vous voir. Surtout que là, c'est un live... test, j'avais pas prévu d'en faire un aussi tôt pour tout vous dire, j'avais envie de vous tenir un petit peu au courant de tout. Voilà. Je suis déjà perdue dans les commentaires, et ça commence bien. On va prendre le commentaire d'Inès et je peux pas le sélectionner là-dedans. Super, je vais aller sur l'interface YouTube, ça va être sûrement plus facile voilà, à faire. Tac, tac, tac. Où est Inès? Inès est là.
ah, je peux pas sélectionner les commentaires, c'est une blague, ou je sais pas le faire, c'est bah, je peux pas sélectionner vos commentaires, donc je vais les lire, je suis désolée, faut que je vois un peu comment ça fonctionne mieux, mais j'arrive pas à les sélectionner où il y a trop de décalage avec le live. Alors, je vois que ça fonctionne. Bah, tu perds les commentaires aussi, Solène. Bah oui, Solène, je les ai perdus dès le début. Donc voilà. Je vois que les gens disent combien on est. C'est simplement, j'espère que je vais m'améliorer sur ce logiciel, mais normalement, il est de meilleure qualité. Voilà. Le principal, c'est de m'entendre, mais bah oui, c'est voilà. On ne voit pas le double menton. Bah, mes beaux livres, merci, c'est gentil. Tristesse, mais oui, je vous offre toujours ce magnifique double menton. Il faut quand même l'exposer de temps en temps. Voilà. Je vois qu'il y a un truc sur les trois nornes. Logiquement, il y a bientôt la nouvelle sortie des trois nornes de Maëlle Rouze. Oui. Tu as tout à fait raison, Maëlle. C'est pour bientôt, c'est pour quand exactement, je ne sais pas, c'est pour juin. J'espère pour fin juin, ça serait le tip-top de ce que je pourrais faire, parce que on a des décalages, parce qu'il y a plein de salons qui se sont annulés. En fait, j'étais assez vénère en début de semaine. Ça fait deux semaines que je suis assez vénère parce que les salons annulent tout et que ça devient un peu agaçant parce que bah, tu te retrouves sans pouvoir travailler et t'annules à la dernière minute et ils partent du principe que tu vas pas participer l'année prochaine sauf que tu as déjà accepté des trucs. Je vais avoir plus de salons pour 2022 que pour 2021. Ça devient quand même assez ridicule. Donc la sortie, j'aimerais bien la sortir pour le mois de juin. On va dire qu'il va y avoir la campagne Ulule à la fin du mois. Voilà, il faut que j'en parle de tout ce qu'on va faire avec l'auteur et surtout, je suis en train de faire la campagne Ulule parce que je suis obligée de passer par des campagnes Ulule en ce moment. Je pense que vous pouvez comprendre, les éditeurs indépendants, c'est une galère avec le Covid. Je fais partie de ceux qui arrivent à survivre, contrairement à plein qui ont dû fermer parce que le livre s'est cassé un peu la gueule en termes de lecture et qu'il n'y a que les gros groupes qui fonctionnent. Donc voilà, le livre devrait sortir. La couverture est en train d'être finalisée, du moins les esquisses. Là, je suis sur le choix des couleurs, donc j'ai fait tester à plein de gens quelles couleurs ils préféraient et tout. Donc la couverture est bientôt finie. Dès que la couverture est bientôt finie, je vais pouvoir faire l'habillage pour la campagne Ulule et la lancer. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux pour ça, parce que c'est important et c'est un livre en plus qui va être assez... On va être sur une bricasse quand même. Voilà, plus gros que La Gardienne du Chardon, donc un coût plus élevé, forcément, et il va falloir faire avec. Mais la couverture est super belle. J'ai hâte de vous montrer ça parce que c'est vraiment une créatrice française et tout, donc j'ai trop hâte. Voilà, pour ce qui est des sorties, et je vais bientôt vous parler de l'auteur. J'aimerais bien faire une petite vidéo avec elle pour qu'elle vous parle en fait un peu de son livre. Et voilà, que rien que mieux que les auteurs pour parler de leur travail, je trouve. Donc voilà. Ça rend trop bien avec tes bibliothèques en fond. Merci, je les aime trop. J'adore cette pièce. Voilà, c'est la pièce que je préfère parce que c'est la seule pièce qui est à peu près finie, ou du moins la seule pièce où il y a des meubles, quoi. Parce que vivement Kikea rouvre mercredi. J'attends que ça. Voilà. Mais je vois ça. Tac, tac, tac. Bonsoir à tous. Donc voilà, Ambre, il y aura une campagne d'ici la fin du mois. Elle durera pas très très longtemps avec des goodies exclusifs. Voilà. Et c'est des campagnes de financement. Donc en fait, bah, il y aura des prix un peu... Comment dire ? Il y aura des prix à 100 ou 200 euros que tu pourras mettre avec des choses exclusives. Mais c'est aussi une campagne pour... c'est une campagne pour aider à financer. Donc forcément que ça peut paraître cher parfois. Mais j'ai pas très très vraiment le choix et ça m'énerve parce que je voudrais éviter de passer par là, mais pour l'instant je peux pas et j'espère que bientôt j'aurai plus besoin d'être dépendante des campagnes Ulule pour le financement, mais malheureusement en ce moment, comme beaucoup de petits éditeurs, j'ai pas trop le choix de me faire financer. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur le livre? Donc c'est Jules Debroux qui nous demande ça. Oui, alors je sais même plus ce que je vous ai dit parce que j'oublie ce que je vous dis. Donc c'est un livre qui est aussi entre la fantasy complotiste, la fantasy initiatique et la romantique fantasy, mais pas, il y a un peu de romance, mais c'est plutôt de la fantasy où le personnage a quand même un point de vue assez dans la défense des femmes, ou surtout c'est un point de vue qui parle de l'égalité des sexes dans un monde où les femmes sont brimées, donc c'est un monde fictif qui est emprunt de...
on va dire, de culture déjà existante. Je vais juste vous raconter le... Je pense que je peux vous dire un petit peu le pitch de départ. Voilà, exclusivité le live, mais vous dire deux, trois lignes, en fait, sur le pitch de départ. Donc, c'est l'histoire de Neila. Alors, Neila, c'est une jeune fille. On la suit, elle a 11 ans au début du récit, qui a été diagnostiquée par la chamane de son village comme portant le sang sombre. Donc, je vous laisse découvrir ce que c'est le sang sombre. Et à cause de ça, elle va être envoyée à la capitale de Dimer, donc à la cité des os, pour suivre son apprentissage auprès des corbeaux. Les corbeaux, c'est une espèce d'ordre de femmes qui sont les yeux et les oreilles du roi des os. Elles sont envoyées comme des diplomates à l'étranger. Et on va suivre Neila dans son parcours initiatique, traverser des complots plus ou moins difficiles de sa vie. Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est... Elle est assez réelle dans sa façon de faire. C'est un récit qui va vous faire voyager avec des cultures différentes, avec des représentations différentes, où voilà, on a des choses qui peuvent être un petit peu sanglantes, voilà, parfois, mais sans être trop violentes. C'est de la fantaisie que j'ai voulu accessible, parce que La Gardienne du Chardon, c'était clairement pas accessible à tous. C'était quand même le but du livre. Là, on est sur un livre qui est beaucoup plus accessible. Il y a des thématiques qui vont être assez lourdes et qui seront indiquées dans les trigger warnings du roman, mais c'est un livre qui est beaucoup plus simple à lire. L'intrigue est complexe, mais beaucoup plus fluide. C'est un seul tome. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un one-shot qui va être assez gros. Hein. On est sur quand même une grosse brique, mais j'avais vraiment envie de faire un seul tome. Voilà, vous faire un livre, certes, qui sera un petit peu plus cher que La Gardienne du Chardon, mais en réalité, c'était deux livres à la base, voilà, qu'on a réunis dans un seul ouvrage. Donc voilà, on est sur quelque chose où il y a de la lecture, et j'espère qu'il vous plaira beaucoup. Donc voilà, ils annulent des salons du livre alors qu'il y a le déconfinement, je comprends pas la logique, courage Lorraine. Oui, ils annulent, là en plus c'est des tout petits salons qui sont en extérieur sous des tentes, donc tu vois, comme des fêtes des plantes, et ils annulent, voilà, parce que je pense qu'ils veulent pas d'emmerde et que c'est trop tard et qu'ils ont peur que les gens viennent pas parce que tout le monde n'est pas vacciné encore, ce qui fait que bah ils annulent et ils mettent un peu les commerçants dans la merde, et voilà, donc c'est un peu chiant, quoi, de pas prévoir. Pour tout vous dire, pour juillet, août, j'ai un salon de prévu. Juillet, je sais toujours pas. Moi, je travaille potentiellement à partir de septembre. J'ai eu quelques validations de date. J'attends encore. De toute façon, je vous ferai toute validation. Ami breton, je devrais débarquer en Bretagne en septembre. Donc voilà. Mais j'attends un peu ça. J'espère contacter en fait des librairies pour cet été, parce que ce qui concerne les fêtes médiévales, tout ça, bah il y a pas grand chose, quoi. Et sinon, ça va être organisé à la dernière minute, donc ça risque d'être pas terrible, voilà, pour tout vous dire. Mais j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, et en plus, tous les salons se trouvent en même temps, on adore, donc c'est un peu chiant pour ça. Salut les gens, la sortie du joint sera-t-elle envoyée aux contributeurs du premier Ulule? Alors, tac tac tac, ça dépend combien t'as contribué, il faut que je revoie les contributions, mais si t'avais contribué au max. Oui, et il faut que je finisse d'envoyer la deuxième contribution parce que j'ai pas eu le temps, on va dire. Je suis un peu débordée avec le déménagement et j'ai plein de trucs personnels aussi à régler. Mais ça dépend combien t'as donné à la première contribution Ulule. Voilà, pour tout te dire. J'ai déjà perdu les commentaires, c'est une blague. Et j'arrive pas à les retrouver. Ah non, c'est bon. Tac, tac, tac. Voilà, les contributeurs Ulule. C'est un peu moins habile que StreamYard, je peux vous dire, mais bon, je vais m'habituer, c'est surtout que j'ai pas le matériel pour. Je vois que Jules Pag nous dit « Tu vas inviter l'auteur en vidéo ». Oui, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qu'on va faire sûrement un live ou quelque chose, parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour parler de son univers, parler un peu de son expérience voilà, en tant qu'autrice, et poser des petites questions là-dessus. Donc moi, je compte l'interroger, et c'était quand on a signé le contrat et tout, je lui avais demandé si elle était d'accord ou pas, si elle était à l'aise ou pas. Donc normalement, c'est prévu. Tout ça, ça sera prochainement. Ça ne sera pas le prochain live, parce que j'ai déjà un live avec des invités de prévu très prochainement, donc à la fin du mois. Quelqu'un, Oko, me dit « I breathe bricasse ». Oui, les bricasses, j'adore ça aussi. On aime tous les bricasses. Uniquement 100 euros pour la contribution de minimum. Non, pas du tout. C'est que juste les contributions, elles peuvent dépasser les 100 euros. Il y a plusieurs paliers. Là, je crois que le premier, c'est 15 euros. Il me semble que j'ai prévu. Voilà. Mais il y a plusieurs paliers. Hein. Moi, personnellement, je ne mets jamais des gros paliers. Si vous voulez recevoir quelque chose, je ne mets jamais des gros paliers. Tout.
Y a-t-il une raison particulière à ton déménagement? C'est Gaël 31 qui me demande. Si c'est trop personnel, ignore la question, je m'excuse. Non, pas du tout. C'est totalement professionnel et que bah, j'ai bientôt atteint l'âge vénérable de 27 ans et que j'avais envie de vivre seule, que je suis quelqu'un qui avait envie de vivre seule. Et parce que en fait, j'avais plus de livres pour stocker mes... j'avais plus de place pour stocker mes livres. Donc, ce qui fait qu'au niveau de mon entreprise, j'étais obligée de déménager. C'était assez compliqué de travailler chez mes parents parce que j'ai un rythme de vie. Il m'arrive souvent de travailler la nuit, il m'arrive de travailler, voilà, moi, vous ne considérez peut-être pas comme ça du travail, mais voilà, le dimanche soir, quand je fais des lives, bah, ça empiète sur ma vie familiale et tout. Donc voilà, j'avais envie de calme et j'avais envie d'avoir un chez-moi, de vivre en fait un peu indépendamment, sachant que je suis un peu ours quand même dans ma façon, et puis qu'il était temps, j'allais pas finir Tanguy non plus. Mais non, c'est totalement, à la base, c'est pour des raisons professionnelles, et puis il y avait le fait aussi que j'avais envie de prendre mon envol, voilà, comme tout enfant qui se doit. Hop, je vois que des gens sont hyper hypés, donc super, super. J'ai hâte, j'espère que ça va vous plaire parce que le récit, moi, il m'a plu parce que sinon je ne l'aurais pas choisi, mais je trouve qu'il a vraiment beaucoup de potentiel, donc voilà. C'est un tome unique, mais pile de mots, oui, c'est un tome unique. Voilà. Alors, la protagoniste a-t-elle 11 ans tout au long du tome? Non, c'est un récit initiatique. Donc, qui dit récit initiatique dit que c'est un récit où le personnage évolue, d'où l'initiation. Non, je crois que Neila, on la suit à 11 ans, on la suit à 18 ans et on la suit on la suit plus tard aussi. Donc, c'est un récit où tu la suis au long de sa vie, quoi. D'où le récit initiatique. En fait, j'avais prévu de le hyper de la sorte. C'est entre l'Assassin Royal et Cuchel, en fait. Donc, on est vraiment comme dans l'Assassin Royal. On suit Fitz sur plusieurs années. Bah, là, c'est le cas. Et en fait, les 11 ans, ça reste assez peu, quoi. Je crois que c'est 50 pages dans le récit. Donc voilà, si t'as un peu du mal avec les personnes à l'âge jeune, c'est pas... voilà, ça va vite se passer. Mais voilà, c'est vraiment... Je trouve un des apports qui fait que le personnage est attachant parce que tu le connais depuis qu'il était petit. C'est bien un seul tome, c'est dur de faire des one-shots en fantasy, ouais, c'est assez dur. Et moi, j'aime beaucoup les grandes sagas, j'en parlerai, je vais vous parler de mes lectures après, mais j'étais un petit peu déçue là, parce que j'aurais voulu bien un troisième tome pour une série, mais c'est un peu dur. Mais en même temps, je trouve que c'est sympa de temps en temps pour faire une coupure. Je vois Discord dans la partie, le titre du live, vous en avez déjà parlé ou pas encore? Non, bah on va en parler tout de suite si tu veux. Alors j'ai créé un Discord, j'ai pas mis le lien sur la vidéo YouTube, j'en ai fait exprès parce que je voulais que ça reste un espace un peu pas protégé, mais là le live, je sais que c'est des gens qui me suivent régulièrement et tout, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de parler de littérature, qui ont envie de parler de lecture dans un espace qui est bien sûr sécurisé. Voilà, j'y veille beaucoup, j'avais pas envie d'attirer forcément des gens qui seraient mal intentionnés, donc c'est pour ça aussi. Le live, le Discord, je sais plus quand il a été créé, la semaine dernière, je l'ai annoncé sur Instagram, parce que sur Instagram c'est là où j'échange le plus avec ma communauté restreinte, ce qui fait que bah voilà, il y a déjà eu quelques petites choses. Je vous laisse assez parler, même si je parle de temps en temps, le but c'est vraiment d'avoir une communauté. Je l'ai fait parce que je reçois assez continuellement des messages qui me disent oui, j'ai tel âge, j'ai personne dans ma famille qui lit de l'imaginaire ou qui lit tout court, je me sens seule, j'arrive pas à partager ma passion de la lecture ou de la littérature. Je trouve ça assez triste pour tout vous dire, et je me suis dit bah, c'est pour ça que tu vas faire un Discord, parce que rien que pour ces gens-là, en fait, si ça peut leur permettre de discuter avec d'autres personnes dans un espace pour d'imaginaire, parce qu'on est quand même sur l'imaginaire sur la chaîne, même s'il y a bien sûr, vous pouvez parler aussi d'autres lectures, c'était voilà, le but. Donc oui. Pour les contributions, les montants seront libres. Oui, en fait, Ulule, ça fonctionne, tu donnes exactement ce que tu veux. C'est juste que, en fait, pour 15, par exemple, pour 15 euros, tu auras telle ou telle contribution. Si tu donnes, en fait, il y a des paliers. En fonction de ce que tu donnes, bah, tu as ce palier ou ce palier. Mais tu donnes, si tu veux donner 1 euro, je sais que dans les premières campagnes, j'ai eu des gens qui m'ont donné 1 euro et c'est déjà super. Donc voilà. Je vois que Amélie est déjà hypée pour la Bretagne. Mais oui, non, mais moi, je suis trop contente d'aller bientôt en Bretagne. Ça se passe comment, les salons? C'est toi qui demandes ou c'est les salons? Alors, il y a les deux. Parfois, c'est on m'invite ou des gens, en fait, connaissent la chaîne et ils me disent est-ce que ça serait sympa que tu viennes ou pas. La plupart du temps, les gros salons, c'est moi qui me présente, voilà, et qui monte les dossiers. Là, je suis en attente, même de gros dossiers et tout, en espérant. Voilà, pour tout vous dire, j'attends la réponse des Imaginales parce que j'ai vraiment envie d'y participer. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez compliqué quand on n'a que deux romans. Là, il y aura trois
3 romans de sortie, 2 prétendent à dans des salons qui sont un minimum intéressants. Voilà, moi j'ai visé des salons où il y avait quand même un minimum de visiteurs, un minimum de d'intérêt en fait pour vous rencontrer. J'ai pas envie d'aller dans à Perpète les Glaouis comme on dit chez nous. Voilà, dans le trou du cul du monde pour que personne en fait puisse qu'on puisse pas échanger et tout. Donc j'essaye de viser des choses qui sont assez intéressantes, qui auraient potentiellement ça aurait été des salons sur lesquels vous serez déjà peut-être allé sans vouloir me voir moi personnellement, et je comprends parfaitement, mais voilà, c'est dans les deux cas en fait. Donc voilà, et là le problème c'est qu'il y a beaucoup de salons où il n'y a pas de salon en fait, donc t'es pas je pense que les invitations sont plus nombreuses. J'ai surtout des invitations pour les trucs un peu, comment on appelle ça, les Japan Expo et tout, mais c'est pas Japan Expo, mais dans des petites villes et tout, mais pour l'instant ça m'intéresse pas tellement. Donc voilà, différentes représentations, ça me plaît, on pourra en lire un extrait. Alors je ne mets pas d'extrait sur internet, voilà, je vous le dis, Ephiriu, je ne sais pas comment tu le prononces, tout simplement parce que déjà qu'il y a des gens qui ont téléchargé illégalement mon livre et qui l'ont mis sur des plateformes illégales, que ça a été très compliqué à retirer et que je suis encore en train de me battre là-dessus. En fait, le problème, c'est que j'ai fait extrêmement confiance au début pour La Gardienne du Chardon et je me suis rendu compte que j'aurais pas dû sur certains points, et ce qui fait que je ne mets pas d'extrait parce que j'ai pas envie qu'on prenne le texte, qu'on vole le texte sur internet, c'est tellement facile. Bref, il y a quand même des droits d'auteur et tout, donc voilà, j'ai été gentille. J'ai tendu la main, on me l'a mordu à plusieurs fois. Faut pas non plus me prendre pour une conne, hein, comme je dis. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. J'ai pas vous savez, le précepte chrétien, quand on te frappe, il faut tendre l'autre joue. Non, moi, c'est quand on me frappe, soit je te recolle l'une, soit tu recommenceras pas. Donc, voilà, il y aura pas d'extrait. Il y aura la quatrième qui parle juste du texte, mais il y aura pas d'extrait. Je vis en Bretagne, je vois qu'il y a des Bretons dans les commentaires, on va tous aller en Bretagne cet été. Il y a en Bretagne, il y a en Normandie, mais du côté de Cherbourg, voilà, qui n'est pas du côté de chez moi, mais un autre coin en Normandie. Là, pour l'instant, ça va être la France, hein. J'ai eu beaucoup de demandes pour être les légendes, mais c'est en même temps que les imaginales, donc pour l'instant, c'est pas possible. Je vois qu'il y a Marco Destark, me demande ce sera quoi le live du fin de mois. Ce sera un live avec des invités. Je vais les annoncer tout de suite. Donc pour le premier live, j'avais vraiment envie de me sentir bien avec des gens avec qui je parle de temps en temps. Voilà. Et après, je voudrais bien aussi inviter des gens que je connais pas non plus. Voilà. Mais ça sera sur la fantasy et notamment sur notre vision de la fantasy et de ses défauts. Je trouvais que c'était intéressant aussi de ses limites et tout ça avec la chaîne Cornelius, donc Quentin, et puis Paper de la chaîne Paper Palace. Donc voilà, on parlera de fantasy, sachant que c'est deux youtubeurs. Voilà, présente de l'imaginaire aussi, et j'avais envie de commencer avec eux, et voilà, de mettre aussi en avant leur chaîne, parce que j'aime beaucoup leur contenu. Donc, voilà. Je vois que des gens sont déjà intéressés, vous me faites beaucoup plaisir. Vous savez, c'est une période qui est assez stressante pour moi en ce moment, et pour plein de gens, je pense, qui sont dans le commerce et tout, parce que là, j'ai envie de voir le bout du tunnel, mais il est un peu loin, le tunnel. Y aura-t-il un pack avec le mémoire sur le Seigneur des Anneaux dans les contributions? Je suis en train d'y réfléchir. En fait, je crois que mais c'est quand même une grosse contribution, il y aura tout, et dédicacé et tout, des trois normes. Voilà, tu pourras avoir tous les livres, sinon malheureusement il faudra que tu achètes séparément Seigneur des Anneaux. En tant qu'éditeur, quel a été ton travail, l'émission exactement pour la parution de ce nouvel livre? Est-ce que tu as 3 heures pour qu'on en parle? Donc déjà, il y a la sélection du manuscrit, donc il y a tout le travail du texte, que ça soit du travail, ça je voulais vous en parler dans une vidéo un peu plus, j'en parlerai un peu plus, on va dire, en précision. Mais il y a tout un travail, en fait, moi j'appelle ça de césure-coupure, donc de ce qu'il faut retirer dans le texte pour le rythme et tout ça. Il y a tout un travail, moi, de revérification des noms, de l'orthotypo, parce que j'en fais aussi, même si ça passe par une correctrice. Il y a tout le travail de reformulation quand il faut reformuler, donc ça, c'est vraiment du travail du texte. Il y a du travail d'univers aussi, sur, par exemple, on a beaucoup travaillé ensemble sur rajouter du world building, parce que l'autrice ne se sentait pas vraiment à l'aise avec certaines choses, donc on a travaillé ensemble pour ajouter du contexte, et voilà, on a travaillé ensemble, on a retravaillé énormément les scènes un peu au lait, parce qu'on n'était pas, on n'avait pas le même rapport à ces scènes-là, et puis moi j'avais certains avis sur certaines questions. Moi j'ai tout le travail aussi de ce qu'on appelle maintenant, comment on appelle ça exactement,
de vérifier qu'il n'y a pas des choses, on va dire, problématiques dans les romans, voilà, des petits mots, tout ça. Donc là, il n'y a pas le cas dans le récit, mais ça, ça fait partie aussi du travail. Mais c'est beaucoup, voilà, la recherche de l'illustrateur, toute la recherche, on va dire, des préparations des prix, rédaction des quatrièmes de couverture, choix du titre, choix de la couverture. Même si je demande son avis à l'auteur, ça sera toujours... Et là, l'autrice, dans le cas précis, c'est une personne qui a travaillé dans l'univers du graphisme. Donc, ce qui fait que je lui accorde de la confiance sur... on va dire les choix qui sont faits sur les couvertures, parce que ça a été son métier, mais c'est l'éditeur qui choisit la couverture, donc voilà, on a l'émission avec l'autrice pour savoir si elle a voilà, des questions et tout, il y a tout un rôle, on va dire, relationnel avec l'auteur qui, pour moi, est hyper intéressant, et il va y avoir après tout le travail de communication, tout le travail de... Bah, moi, j'envoie beaucoup de livres aussi, donc c'est tous ces trucs-là, mais il y a plein de tâches, en fait, je peux pas te dire tout ce que je fais, parce que bah, je fais tout toute seule, presque, sauf la correction qui passe par un tiers et puis les illustrations, mais c'est toi quand même qui imagine la couverture, ce que tu veux et tout, qui choisit, que tu es main dans la main avec la personne qui travaille là-dessus. Alors, j'ai encore perdu les... Et c'est hyper chelou, hein, le truc pour les commentaires, il bug de ouf. Tac, tac, tac. Ça, j'ai lu. Il va faire combien de pages ? J'en sais exactement rien du tout parce que j'ai pas commencé la mise en page. En fait, pour La Guerre des Nuits de Chardon, j'avais pas fait ça, mais pour éviter d'avoir trop de coquilles et tout, j'ai décidé de faire la mise en page après les corrections avec donc la correctrice. Comme ça, il y a moins de problèmes de petites coquilles qui peuvent survenir. Donc voilà, donc la mise en page, je ne l'ai pas fait, donc pour l'instant, je peux pas te dire. Mais il fera plus de pages que La Gardienne du Chardon, sachant que moi, les livres, pour ceux qui les ont achetés, je tasse la mise en page. Hein. On est sur un livre où t'as pas non plus beaucoup de blanc, parce que moi, ça m'agace quand on me vend des bouquins avec je sais pas combien de pages à un prix, voilà, qui est quand même conséquent, alors qu'il n'y a rien à lire. Donc voilà, je peux pas te dire. Est-ce que Sanoué me demande, est-ce que la date du prochain financement Ulule a été donnée ? Non, pas encore. Je le tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Il faut que je programme ça. Mais on va dire que le mois de mai, pour tout vous dire, j'ai plein de choses personnelles à faire aussi, que ça soit pour la maison, voilà, des achats. Et notamment les week-ends, je suis un peu moins présente, donc je peux un peu moins travailler. Voilà. Mais il faut prendre du bon temps de temps en temps quand même. Hein. Faut pas non plus s'enfermer. Tac, tac, tac. Pour venir sur le Discord, on fait comment ? Alors, Salomé, tu vas sur ma page Instagram, parce qu'il n'y a que sur Instagram que je l'ai mis, dans mon onglet de présentation, tu vas sur Linktree, c'est un onglet, en fait, c'est un lien qui te mène sur tous mes réseaux sociaux, et c'est le premier, il y a marqué Discord, donc voilà, tu peux y aller là-dessus. Alors, InFit, je ne comprends pas le fonctionnement de Discord. Alors, Discord, c'est assez simple, c'est des salons. Donc, c'est comme les forums à l'ancienne, c'est-à-dire que tu cliques sur... faut créer un compte, bien sûr. Tu cliques sur un salon et, en fait, les gens parlent comme dans des salons textuels. En fait, tu parles par écrit et chacun s'échange. Voilà, tu peux réagir, tu peux poster des commentaires. Bref, c'est un peu comme un chat, voilà, en live, mais via un Discord, en fait, avec des salons dédiés. Donc, un salon science-fiction, un salon papotage, un salon nouvelle lecture et tout. Donc, ça commence comme ça. Hello, donc Mathias, cela fait longtemps que je n'ai pas pu participer à un DT live, la faute à mes partiels, enfin fini, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que tu vas bien, bah, surtout toi, j'espère que tu vas bien, parce que les partiels, c'est pas toujours chaud, mais oui, non, moi ça va, là j'ai fait une pause, pour tout vous dire, j'ai fait pendant les 4 jours, là j'ai pas travaillé vendredi, j'ai fait une pause, voilà, j'ai revu des gens de ma famille, ça m'a fait du bien, donc là ça va. J'ai remonté la pente. En début de semaine, j'étais un peu vénère pour des raisons personnelles, mais ça va mieux. Voilà, j'ai remonté doucement la pente. Il fallait pas trop me chercher en début de semaine. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai encore perdu dans les commentaires. Non, mais c'est un sketch. Tac, tac, tac. La Normandie est aussi présente. Merci, merci Virge. Virginie, c'est un peu trop personnel. Virginie, tac, tac, tac. Est-ce que tu vas faire des lives ou vidéos sur l'écriture en général ? Qu'est-ce qu'un bon personnage ? Comment créer un univers ? Qu'est-ce qu'un style ? Alors,
Ryan BL, je vais avoir un discours un petit peu violent sur la question et je m'excuse et je veux pas clasher les gens qui font ça. En fait, je me sens pas légitime. J'ai écrit qu'un roman. Je me sens pas légitime de donner des conseils d'écriture. En fait, pour moi, les gens qui peuvent donner des conseils d'écriture, ce sont des gens qui ont du succès littéraire, ce sont des gens qui savent écrire et qui ont été reconnus, notamment par le milieu éditorial, dont les manuscrits ont suffisamment attiré l'attention d'un éditeur pour pouvoir donner leur avis dessus. Je suis personne pour donner mon avis, en fait, pour donner des conseils. Quand on conseille, il faut avoir un minimum de légitimité, ce que je n'ai pas, ce que je prétends pas du tout avoir. Et personnellement, je vois énormément de conseils d'écriture et je me dis, purée, voilà, je ne suis pas du tout d'accord, en fait, en donnant des conseils, en plus, parfois mauvais, quand je vois des conseils même pour les éditeurs et tout, alors que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire en général. Donc non, c'est pas prévu parce que je ne suis pas légitime. Alors peut-être que dans 10 ans, voilà, si la chaîne est encore là, je le ferai parce que j'aurai plus de maturité et que je serai plus dans le conseil. Mais voilà, moi je ne suis pas qualifiée pour ça. Prends notre argent, Ambre. Non, Ambre, je ne prends pas votre argent. On est là, on te le donne, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, des gens. Je suis désolée, je lis. C'est hyper compliqué cette nouvelle plateforme. J'arrive un peu tard, je vais regarder le début du live. Pour les trois normes, ça a été déjà dit, t'inquiète pas. Tu pourras regarder en rediffusion normalement. Merci pour le conseil de Calam. Je l'ai acheté dans ma bibliothèque et il sort toujours. Il sort le. Oula, j'arrive plus à lire ce que tu marques. Et il sort toujours. Ah oui, non, excusez, la construction n'est pas. Voilà, il sort toujours. On vient d'acheter le tome 2. Bah, je pense que je vais vous parler de Calam parce que c'est exactement ma dernière lecture. Voilà, je vais vous parler de mes lectures tout de suite, comme ça on enchaîne ensuite avec la suite du live. Donc j'ai lu le tome 2 de Calam. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur. Et dans le tome 2, j'étais tellement heureuse d'avoir retrouvé l'univers de Calam. Pour tout vous dire, ça a été un coup de cœur jusqu'aux 100 dernières pages. Voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est un récit qui est un peu inspiré du Nom du Vent. C'est l'histoire, en fait, d'une rébellion qui a été capturée. Et on suit Mora, qui est une jeune fille de cette rébellion, dont on va demander à ce qu'elle raconte l'histoire de cette rébellion, et notamment du personnage de Darren, Darren Dahl, qui est le chef de cette rébellion. Et il y a un conteur, en fait, qui, par ses pouvoirs, peut, en fait, décerner la vérité ou pas. Et lui, son but, c'est de rendre la légende de Darren Dahl. Et il y a toute, on va dire, des forces au-dessus de lui qui essayent de l'orienter et tout. Et on suit, en fait, on se rend compte que c'est Mora, le personnage le plus intéressant. Dans le tome 2, je vais pas vous spoiler le tome 1, mais le tome 1 était ouf. Le tome 2, les trois quarts étaient ouf. Et en fait, ça aurait mérité un tome 3 parce que la fin est hyper précipitée. Du genre, à la fin, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, je sais pas s'il a pas eu la possibilité de faire un tome 3. Mais malheureusement, le rythme de la fin, ça m'a un peu... Ça m'a fait enlever le coup de cœur que j'ai eu pendant tout le récit, mais véritablement, ça vaut le coup. Calam, c'est un super récit de fantasy française, c'est original, c'est hyper intéressant, les personnages sont géniaux. Et il y a tout ce côté, on va dire, la réflexion sur les gens qui ont une influence en fait sur la réception des textes et des témoignages, et ça c'est vraiment très très bien, donc je vous conseille, il était génial. Et en parallèle, je suis en train de lire, attendez, parce que je lis deux livres en même temps. Je suis en train de lire le tome 3 de Grisha, de finir le tome 3. J'ai lu hier 90 pages, voilà, on est sur un tome 3 un peu longué, comme d'habitude, ça ne change pas. Et bah, j'ai commencé, et je me suis fait l'idée de commencer La huitième fille de Terry Pratchett, parce que j'arrive pas à voir en fait le tome 2 de Terry Pratchett. Il est indisponible chez ma libraire, elle n'arrive pas à le commander, donc j'ai dit je vais lire le tome 3, et en fait le tome 3 peut très bien se lire sans le 1 et le 2. Et on suit en fait l'histoire d'un sorcier, et d'un mage plutôt, et les mages en fait dans ce récit, quand ils meurent, ils vont donner leur pouvoir, c'était au huitième fils du huitième fils, un truc comme ça. Et en fait, quand il meurt, il se rend compte que c'est une fille et ça impose des gros problèmes dans cet univers. Bref, ça parle un peu de magie, de science et tout, et ça ridiculise un peu le truc. Mais j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est moins réfléchi que Les Petits Dieux, mais j'en suis qu'aux 58 pages sur les 200, mais j'aime beaucoup l'univers. De toute façon, Pratchett, je le dis, c'est on aime ou on n'aime pas. Le village où ça se situe, ça s'appelle Trouduc. Donc voilà, les jeux de mots. Il faut aimer, mais bref, c'est mon côté sûrement beauf qui doit me ressortir comme ça, mais bref, moi j'aime Terry Pratchett, donc voilà, je suis en train de lire ça en ce moment. Par curiosité, combien de relectures travaillent du texte avant de se dire « Ok, c'est bon, on envoie ». Je les compte même plus.
15-20, je pense, sur des textes entiers qui font plus de 400 pages tassés sur Word. Donc, parce que moi, j'ai déjà lu, je crois, 3-4 fois le texte avant de travailler dessus pour voir les endroits où il fallait apporter des corrections. Puis après, il faut les corrections et tout. Bref, il y a beaucoup de relectures. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est très rare que tu envoies un récit rapidement. Pour ma part, il faut toujours avoir un travail éditorial. Avec l'autrice, est-ce qu'on s'est rencontrés, Ryan? Bah, en fait, on se rencontre par Skype parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Covid, donc on peut pas se voir en vrai. Mais on par Skype, par Discord, donc on se parle assez régulièrement. Oui, oui. Et puis moi, j'ai le téléphone, c'est pas possible. Je suis pas une nana à téléphone, donc on se voit en visuel, on partage et tout. On se fait des petits points, donc voilà, on se voit de temps en temps. Oh, je vois un commentaire mignon. Manon, c'est une période très difficile pour moi. Tes vidéos et les rediffs de live sauvent mes journées et mes nuits. Alors, merci infiniment. Merci, Manon. Je n'ai pas de... C'est vraiment... Je suis tellement heureuse quand vous me dites ça parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et surtout, en ce moment, mon but de cette année, parfois, je me demande pourquoi tu fais la chaîne YouTube. Voilà. Autrement que bah, tu essayes de gagner un peu d'argent, même si tu gagnes rien. Et voilà, de financer un peu via la maison d'édition, c'est ton relais de communication et tout. En fait, c'est là-dessus où je me suis rendu compte que cette année, il y avait vraiment un rôle pour nous, on va dire créateurs de contenu, d'essayer de faire plaisir aux gens et au moins de les distraire. Donc je suis très contente que tu me dises ça, parce que moi, il y a des youtubeurs qui m'ont aussi sorti de passes un peu difficiles. Donc merci Manon, et j'espère que ça va aller mieux. J'espère vraiment. Quelqu'un pose une question sur la gardienne du chardon, l'angoisse monte. Bonjour, j'espère que la rédaction ou le travail préliminaire de la conception même des recherches, on n'est plus sur un travail préliminaire de la conception même des recherches, du tome 2 de la gardienne du chardon se passe bien si t'as déjà commencé. Alors, j'avais déjà commencé, je crois que j'ai déjà écrit une centaine de pages. En fait, la gardienne du chardon, j'ai pris la décision parce que c'est devenu un peu une angoisse, parce que j'avais mis trop de temps en fait entre les deux, mais en fait là je finis le tome voilà qui va sortir en juin. J'ai pas prévu pour l'instant de nouvelles publications dans l'immédiat, on verra voilà, on verra l'avenir, on va dire, parce que là l'avenir on sait pas où on va, ce qui fait que je vais m'attarder ensuite sur l'écriture. En fait, c'est très difficile pour moi d'être sur deux univers différents qui n'ont aucun rapport, parce que les textes sur lesquels je travaille, je m'investis dedans. Voilà, le texte de l'autrice, je m'investis comme si c'était mon texte. Donc, forcément que j'ai pas la tête à écrire du steampunk alors que je suis en pleine fantasy avec des personnages qui n'ont rien à voir, et que Isobel, il faut être dans le mood, et qu'il va falloir y retourner, il va falloir bosser, sachant que j'ai plus d'idées pour un prochain roman. Mais ça, c'est tout à fait moi. Mais voilà, il y a les travaux préliminaires, tout, ça, c'est commencé, mais simplement, il faut que je finisse la publication et tout pour pouvoir m'y remettre. Et en fait, je suis dans un mood, mais ça, c'est totalement... Je me mets des barrières mentales, c'est super chiant. Et je sais pas si ça vous le fait aussi. En fait, c'est mon travail d'écrire aussi, d'une certaine manière. J'ai du mal à me voir comme auteur, en fait. C'est un truc que je me vois totalement comme éditeur, j'ai du mal à me voir comme auteur. Et en fait, j'ai du mal dans ma semaine à me dire « bah tu vas écrire, ça fait partie de ton travail ». En fait, je culpabilise énormément d'écrire parce que c'est quand même une passion pour moi, et comme l'édition, mais c'est quand même pour moi, je vois aussi ça comme un loisir. Et donc, j'ai vraiment des blocages là-dessus en me disant « bah en fait, tu bosses pas, tu gâches tes journées », alors que non, en fait, c'est pour plus tard. Mais j'ai ce blocage-là, hein, c'est l'esprit humain est parfois vraiment très chiant. Donc, on est un peu là-dedans. Tac, 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 je remonte... Oh là là, ce système est vraiment mauvais. Je vois qu'on parle de lecture, là. C'est bien, on va passer aux lectures. Ah bah dis donc, il y avait beaucoup de commentaires. J'espère aussi que le travail de Damasio entamera ton hésitation à découvrir cet auteur. Je suis certaine que ses textes briseront la panne de lecture que j'ai cru comprendre dans ta dernière vidéo. Un autre auteur a brisé ma panne de lecture. C'est Paul qui m'a sauvé de ma panne de lecture. Merci Paul, voilà, je tiens à te le dire. Mais Damasio, je me garde pour être, franchement, lire Damasio pendant une panne de lecture, je crois que c'est la pire chose que j'aurais pu faire. Mais Damasio, j'attends. Il faut vraiment être dans le mood, parce que si là, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de me forcer à lire un auteur. Surtout, en fait, que comme il y a de plus en plus de gens qui m'en parlent, j'ai de moins en moins envie de le lire. Ça, c'est un problème chez moi, mais voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit coucou à Biscotte. Oui, je l'ai vue aujourd'hui. Elle m'a mi-ignorée, mi-fait un câlin coup de tête. Mais ça a été rapide. Mais elle est un peu en dépression, d'après mes parents. Elle a un peu du mal à lire ça. Donc voilà. J'ai lu ton mémoire sur les couvertures de Tolkien. Je ne sais pas dans quelle mesure tu as eu beaucoup de retours. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors... En fait, pour tout vous dire, je lis, quand on m'envoie des petits messages très courts comme ça, je lis. En fait, je lis pas les
critique sur mes ouvrages parce qu'en fait, j'ai plein de choses à faire et je trouve qu'en fait, les ouvrages, je les écris pour moi et tant mieux s'ils plaisent ou s'ils plaisent pas. Mais ça, c'est ma façon de voir. Après, j'ai pas besoin d'avoir des j'ai pas la nécessité de voir des chroniques sur mes ouvrages en fait. J'en ressens pas la curiosité et voilà, je suis pas dans cette. Après, il y a des auteurs qui adorent ça. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs aussi qui. C'est peut-être une manière de se protéger aussi, mais je regarde pas. Mais je sais que vous avez été quand même beaucoup à m'envoyer des messages là-dessus et que vous avez beaucoup aimé. Ça vous a beaucoup enrichi et tout. Donc merci. C'était le but. Je suis contente que ça vous ait plu. Mais voilà, j'ai des retours souvent sur Instagram. J'ai des petits messages et tout, mais je vais pas voir les commentaires. Sachant que j'étais assez comment dire, les sites de lecture, je me suis rendu compte, tu sais, comme Babelio, ce genre de choses, pas pour citer que Babelio, hein, en fait, c'est un peu comme les. J'en ai parlé avec des gens qui travaillent dans les maisons d'édition et tout. Si eux ils se basaient sur ces commentaires là ou sur les commentaires en général qu'ils voient, et en fait ils me disent que non, parce que c'est comme les restos, en fait les gens qui sont pas satisfaits vont le mettre, les gens qui sont satisfaits vont pas le mettre forcément, voilà, vous savez. Donc en fait les avis sur internet, c'est un peu le problème, à part quand tu tiens une chaîne ou un truc comme ça régulier où tu présentes toutes tes chroniques, il y a beaucoup de gens qui mettent que le négatif. Donc ça, je ne savais pas, j'ai appris ça, voilà. Mais je suis pas très à l'aise sur ces plateformes là non plus, donc je ne regarde pas. Hors Trolls et Légendes, penses-tu faire d'autres salons en Belgique si tu as des possibilités ? Ben, je voudrais bien être de Vice, je voudrais bien aller en Belgique. J'ai envie de vous rencontrer, amis belges. Non mais vraiment, mais le problème c'est que le salon du livre belge, vous savez le grand salon, ça coûtait un bras les gars, fallait vendre un rein pour pouvoir y participer. Et pour l'instant en fait, il n'y a pas trop de pistes. Il y a la question des frontières aussi. J'ai mon autrice qui a potentiellement une piste, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais j'aimerais bien aller en Belgique. Alors je me dis qu'avec les imaginales qui sont Épinal, c'est pas trop trop loin de la frontière belge, donc pour les Belges motivés, voilà, ils pourront venir. Mais pour l'instant, je le voudrais bien, mais c'est pas trop possible. Est-ce que tu penses parler un jour de fantasy dans d'autres médias tels que les mangas, exemple Berserk, Fairy Tail, ou les jeux vidéo ? Alors les mangas, j'en ai déjà parlé, sachant que je suis pas hyper fan de fantasy dans les mangas. Je préfère les choses un peu plus réalistes. C'est un peu plus contemporain, un peu gore et violent. C'est ce que je préfère plus dans les seinen. Voilà. Bah, j'ai l'impression que tout le monde parle de jeux vidéo et tout, donc non, moi c'est plutôt la littérature, je me sens pas vraiment envie d'en parler, et en plus, j'en ai parlé d'autres médias, on va dire, je parle plutôt podcast ou ce genre de choses, moi je suis plus ça, sur internet il y a tellement de gens qui parlent de jeux vidéo et de manga que ça devient totalement inutile pour moi d'en parler, ça serait faire de la redite, et personnellement si j'apporte pas grand chose, c'est pas très utile. Voilà, il y a des gens qui viennent de commencer Calam. Oh, je suis super contente. J'espère que ça va vous plaire. Calam, adulte ou pas ? Oui, Calam est adulte. Il y a une scène de torture dans le 2. J'étais. Oh, c'est un peu dégoûtant. Non, c'est adulte, notamment à cause de la violence, parce que c'est un récit qui est assez violent. Il y a des choses assez gore qui peuvent se passer. Donc, non, c'est adulte. Mais oui, par contre je trouve que c'est de la fantasy très abordable, ça se lit comme du petit lait, alors c'est super pour les pannes de lecture parce que c'est pas compliqué, l'univers, on t'accompagne et tout, bref, c'est vraiment génial. Des gens qui ont commencé Elantris, j'ai toujours pas commencé Elantris, mes piles de mots. J'ai beaucoup aimé la préface par Dan Wells et Calam est noté sur ma wishlist. J'espère que ça te plaira. Mais il faut que je lise Elantris, il faut que je me l'achète. Mais de toute façon, Brandon, il faut que j'achète, faut que je lise Justicière parce que ça fait longtemps qu'on a lu Brandon. Donc il faut s'y mettre de temps en temps. Sachant que Brandon, c'est un peu devenu le pilier du booktube, on va dire. Tout le monde aime Brandon. Donc voilà. Moi non plus, je n'arrive pas à voir le tome 2 de Terry Pratchett, ça m'énerve parce que je les lis par cycle et ça me saoule. Sinon, j'ai adoré La huitième fille aussi. Oui, alors a priori, Salomé, c'est chez Pocket, mais a priori, je pense qu'ils ne sont plus imprimés. En fait, il n'y a plus de stock et qui sont pas réimprimés pour l'instant. Donc, ils sont disponibles en grand format, sache-le, chez La Talente, mais chez Pocket, pour l'instant, je pense qu'ils sont en pénurie. Voilà, tatata. Il y a plein de gens qui lisent Elantris. Moi c'est pas du Pratchett, mais moi j'ai beaucoup de mal à me procurer l'arcane des épées, alors c'est aussi chez Pocket, pauvre Pocket. Je pense simplement que l'arcane des épées, c'est parce que c'est sorti il y a longtemps et parce que moi j'en ai parlé sur la chaîne, il y a plein de gens qui se les mettent à lire, hein. Je reçois beaucoup de messages, mais je pense que c'est un livre en fait qui a moyennement fonctionné en France, donc ils ont pas dû refaire des impressions, donc c'est peut-être pour ça, c'est qu'il n'y en a peut-être plus beaucoup et qu'il est sorti, l'arcane des épées, il est sorti il y a un bail de temps chez Pocket, hein. Donc ça doit être pour ça, ça doit être un souci d'impression et qu'il n'y a pas assez de demande. Tu reçois beaucoup de manuscrits, comment ça se passe pour toi là-dessus ?
Oui, je reçois un petit, je reçois des manuscrits de temps en temps. Parfois, ça part vague. Là, j'en ai reçu pas mal. En fait, les manuscrits, c'est assez simple. Déjà, je vois dans le mail s'il y a des fautes d'orthographe, si la présentation... déjà, quand tu vois comment la personne se présente, tu peux un peu dire si ça va être possible ou pas de le publier. Pour moi, dans le sens que publier un auteur, c'est pas publier que son texte, c'est publier aussi la personne. Donc voilà, quand on a des discours sur... moi, j'ai déjà eu des auteurs qui se disaient qu'ils étaient des génies incompris, des Baudelaire incompris. Là, tu te dis... c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est tout. Annabelle, j'aimerais beaucoup lire ton livre, La gardienne du chardon, mais j'ai pas l'impression que la livraison se fait pour La Réunion. Alors, il y a la possibilité. Par contre, pour tout te dire, moi, La Réunion, c'est assez compliqué en ce moment. Je suis obligée de le faire par Internet. Je viens de récupérer mon imprimante, en fait. Donc, je vais pouvoir les faire, mais je pouvais pas les faire. En fait, il y a des nombreuses procédures et ça me coûte presque 18 euros à envoyer un livre à La Réunion. Donc, je ne suis même plus sûre que je vais pouvoir envoyer dans les îles parce que ça me coûte, c'est même plus que ça me coûte un bras. Hein. Là, c'est hallucinant, c'est n'importe quoi ces prix-là. Donc, voilà, je suis en train de me tâter pour, en fait, ne plus, malheureusement, et ça me fait chier, mais de plus les envoyer dans les îles parce que je ne vais pas vous demander 18 euros de frais de port. Voilà, mais c'est exactement ce que je dois payer. Et en plus, il faut passer par des fiches sur la poste qui ne sont pas disponibles, comme les postiers. Désolée si vous êtes postier, mais ne sont pas compétents. Ils sont incapables de t'aiguiller sur ces choses-là. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des commandes pour les contributions. Normalement, je les fais la semaine prochaine, voilà, pour La Réunion, parce que j'ai eu des complications. Voilà. Mais sinon, j'ai déjà eu des commandes, hein, ils sont partis et tout, mais c'est long. Tu as lu d'autres livres de Sanderson? Personnellement, c'est pas mon premier Sanderson. J'aime beaucoup. C'est pas mon premier Sanderson. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai lu Les Archives de Rochard jusqu'à Justicière. J'ai pas encore lu Justicière. J'ai lu Warbreaker. Brandon. Bah, j'ai lu. Comment ça s'appelle? Le Puits de l'Ascension, tout ça. J'ai un trou. Le Puits des Mémoires. Non, c'est pas Le Puits des Mémoires. Comment? Bon, son autre série qui est connue. Je suis désolée. Je suis un peu fatiguée ce soir, mais j'ai lu ça. Mais Brandon, j'aime bien. Alors, j'ai pas non plus la hype que certains ont, à part au dernier tome que j'ai lu. Mais je trouve que c'est quand même un bon auteur. Mais simplement, je sais que ça saoule beaucoup de gens de voir du Brandon Sanderson partout sur les chaînes YouTube. C'est pour ça aussi que j'ai pas envie de le lire que du Brandon, parce que le but aussi, c'est de vous divertir et pas de vous présenter exactement ce que tout le monde est en train de lire. Donc, voilà, je ralentis un petit peu. Tant que tu nous fais pas attendre comme Georges, non, je vous ferai pas attendre comme Georges, Solène, t'inquiète pas, je vais m'y remettre. Tac, 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 je viens de finir Sirène de Laura Pugno, je connais pas, une découverte, voilà, un peu dérangeante. J'aime bien les récits sur les sirènes, mais j'aime bien quand c'est un peu trash sur les sirènes, pour tout dire. Voilà, Fils des Brumes, merci, j'avais oublié, mais et moi aussi j'ai commencé par Fils des Brumes, mais pile de mots, j'ai pas commencé par Elantrice. Alors, je lis peu en ce moment, je suis sur le premier tome de La Roue du Temps, j'aime beaucoup, je prends mon temps, c'est cool. J'espère que ça te plaît et que ça continuera à te plaire. Normalement, je devrais recevoir le tome 15 cette semaine chez mon libraire, donc je vais me lancer bientôt dans la suite. No pression pour La Gardienne du Chardon, merci, parce que parfois je reçois des messages, c'est assez oppressant là-dessus, mais voilà, on va se détendre un petit peu. Voilà, moi aussi j'attends d'être dans le mood d'Amazio. Je pense qu'il faut attendre d'être dans le mood. Et en fait, Damasio, c'est un peu comme Gagner la guerre. Vous savez, c'est des livres qui sont tellement appréciés que mon cerveau, j'ai très très peur de ne pas aimer, parce que souvent, je suis très critique. De toute façon, je vais être critique avec Damasio parce qu'on me le survend, donc je vais le juger comme un bon auteur, ce que je ne fais pas forcément avec d'autres livres. Donc j'attends, mais j'ai un petit peu peur aussi des réactions si ça ne me plaît pas. Vous imaginez? Voilà, j'en ai déjà pris assez cher sur le Livre des Martyrs, c'est bon. j'ai pas non plus le temps de la jouer trop souvent, mais j'espère que ça va me plaire quand même. Faut lire Warbreaker avant Justicière, apparemment. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, parce qu'en fait, Warbreaker, ça se passe, j'ai l'impression, dans le même univers. Hein. Quand j'ai lu Warbreaker, je me suis dit, il y a vachement de ressemblances. Les gens qui ont vu du Pratchett sur les sites d'occasion, oui, il faudrait que je regarde. J'essaye d'acheter au neuf maintenant, parce que j'essaie de soutenir les éditeurs. C'était quelque chose que je faisais pas avant. J'achète moins, mais j'essaye de faire au mieux, on va dire. Surtout en ce moment. Tac, tac, tac.
Voilà, je ne l'achète pas en occasion parce que j'essaye de soutenir les éditeurs. C'est pour ça que j'évite maintenant un petit peu. Alors, petite question. Tiens, on va parler du livre des martyrs. Super. As-tu lu le livre des martyrs? Oui, j'ai lu le premier tome. J'ai vu que tu ne voulais pas en parler sur ta chaîne. Du fait de la communauté, j'hésite à le lire. Oui, j'ai même fait une chronique sur le livre il y a quelques mois. Je vais peut-être tenter le tome 2. Là, je me dis, ça serait. Faut pas attendre que j'attende très très longtemps. Ça a été un avis assez mitigé, hein. Selon moi. C'est loin d'être de la qualité de ce que j'ai entendu que ça serait. Parce que l'auteur, en fait, je suis pas d'accord avec certains arguments du fait que c'est tellement complexe, c'est au lecteur de s'habituer aussi. L'auteur, son job, c'est aussi d'être compréhensible. Et il y a beaucoup de choses qui sont mal faites, selon moi, pour rentrer dans l'univers. C'est assez brouillon, c'est assez inégal dans les défauts, hein, je te dis. Mais sinon, c'est un très bon récit. Mais c'est loin de la hype, voilà, c'est loin de la qualité de ce que je m'attendais. C'est pour ça que j'ai peur avec Damasio. Mais voilà. Ce soir, je suis surpris que tu aimes la série Shadow and Bone. Je trouve que cette série est lisse, pleine de clichés et très enfantine. J'ai pas fini perso. Bah, en fait, j'aime bien aussi les trucs. C'est pas parce que c'est enfantin que j'aime pas. Et voilà, c'est tes goûts. C'est mes goûts. Moi, j'ai personnellement apprécié l'histoire. Je vois pas pourquoi. En fait, ça me fait. Je vais pas être critique envers ta personne, hein, mais ça me fait rire en disant que je suis surpris. En fait, vous me connaissez pas. C'est assez bizarre quand les gens disent ça parce que ma famille soit surprise de mes goûts. Mais personnellement, vous connaissez pas forcément mes goûts. Et je vois pas en quoi ça serait une surprise parce que moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une bonne série pour ce que c'est, pour de la jeunesse et pour d'où ça vient de Grisha. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai lu des commentaires sur la. Ça me fait un peu sourire quand on compare ça à Jemel, quand on compare à des. C'est incomparable. C'est comme comparer du boursin à une raclette. Ça n'a rien à voir. Voilà, j'aime beaucoup mes comparaisons. Mais voilà, donc. Non, mais moi, j'aime bien les trucs enfantins. Et il faut dire qu'en ce moment, vu mon taux de pression, les trucs enfantins, ça fait du bien. Donc voilà, pour tout te dire. Est-ce que là, quelqu'un a lu la saga de la première loi d'Abercrombie en anglais? Est-ce que c'est complexe à lire dans cette langue? Moi, je l'ai lu qu'en français. J'ai entendu dire qu'Abercrombie, c'était assez aisé. Après, ça dépend de ton niveau d'anglais. Hein. C'est toujours un peu comme compliqué d'aiguiller. Faut que tu demandes à Michaela, le livre ouvert. Elle va sûrement t'aiguiller mieux que moi là-dessus. Les larmes du cardinal me tendent bien. Moi, il est là-haut. J'avais bien aimé. C'est pas le meilleur PVL, mais j'avais bien aimé. Tac, tac, tac. En parlant de Tad Williams, il y a son premier roman qui vient d'être publié, c'est présenté comme un Seigneur des Anneaux avec un chat en perso principal. Ouais, c'est chez Memnos, je crois. Peut-être que bah, si Memnos passe par là, n'hésitez pas. Moi, j'avais bien aimé Tad Williams. Mais bon, après, moi, les histoires de chats et tout, c'est pas forcément ce qui me botte le plus. Mais à voir un peu son évolution. C'est vrai qu'on voit souvent passer Brandon Sanderson, personne, moi c'est l'Assassin Royal, j'en peux plus, il y a une phase où on le voyait partout. Ouais, c'est un peu ça que j'ai peur aussi sur la chaîne, de vous proposer des choses qui sont trop à la mode, mais en même temps moi j'ai très envie de les lire, mais en même temps j'ai pas envie de vous proposer forcément le même contenu que les autres, et voilà, des fois quand je vois qu'il y a trop de Brandon Sanderson et tout, je me dis, putain j'aurais voulu voir d'autres auteurs aussi, mais en même temps je comprends les gens qui les chroniquent parce que c'est un très bon auteur et que bah, comme tout le monde en parle, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le lire. Donc voilà, j'attends le prochain intégral du Paris des Merveilles le mois prochain pour 10 euros. Moi aussi, je l'attends. Avec 800 pages, ça me donne envie de tenter l'aventure. Bah ouais, moi, j'ai lu que le premier tome et les nouvelles, donc j'ai hâte de savoir un peu comment ça va évoluer. J'avoue que Sanderson, j'ai commencé 3 jusqu'à 200 pages, j'ai du mal. Après, je pense continuer pour voir pourquoi il y a un tel engouement pour cet auteur. Après, tu sais, tu peux avoir simplement pas d'attachement avec l'auteur. C'est pas parce qu'il y a un engouement que l'auteur est forcément fait pour toi. Hein. Des fois, il faut un peu laisser tomber. Hein. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que tout le monde dit que c'est bon pour toi, quoi. Donc, bonsoir, Lorraine, as-tu entendu parler de l'affaire Brajeune avec Marsan? Oui, j'en ai déjà parlé dans l'ancien live, donc je te renvoie à l'ancien live. Voilà, j'ai déjà parlé de cette affaire. Et c'est pas le sujet de la vidéo. Entre les archives de Rochard et Fils de Brume, tu conseilles lequel? Fils des Brumes, parce que Fils des Brumes, c'est du young adult, c'est du YA. Donc c'est plus facile pour. On va dire, c'est plus abordable, sachant que franchement, les archives de Rochard, il y a une marche au-dessus au niveau de l'univers, au niveau des personnages. Bref, vraiment, je te conseille Fils des Brumes avant. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il est indispensable de lire Warbreaker pour poursuivre après avoir lu les archives de Rochard pour ceux qui nous ont lu? Moi, j'en ai entendu qu'il fallait vraiment pas passer à côté avant Justicière parce qu'on passe quand même beaucoup sur des clés de lecture. Donc, ça serait dommage si tu comprends pas tout le texte en entier. Ça se lit très bien, Warbreaker, et c'est très sympa. J'ai encore perdu les commentaires. C'est une blague. Et en plus, ça veut pas remonter.
On a hâte que j'investisse dans du vrai matériel. Hein. Vraiment, j'ai hâte de ça. Tac, tac, tac. Salut, je suis en train de relire le tome 3 de L'Âge du Feu. J'avais lu les trois premiers tomes il y a longtemps, donc j'ai hâte de voir ce que tu vas penser du tome 1. Bah oui, je vais peut-être pas le lire tout de suite pour tout te dire parce que j'ai encore des services presse. Je vais avoir des lectures pour Pocket qui sont arrivées. Donc j'espère le lire en juin, ça serait cool. Mais j'espère que ça va me plaire, j'espère. Parce que les trucs de dragon, c'est pas sur ce que je me sens le plus à l'aise. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était sympa, donc j'ai hâte. Je lis les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury. Il faut que je lise ce livre, il me tente trop. J'aime beaucoup. Et j'ai aussi commencé la Duperie de Guenièvre, ça n'a rien à voir. J'espère que ça te plaît aussi, mais les Chroniques Martiennes, j'ai vraiment envie de le lire. Je viens de finir la Bibliothèque des Cœurs Cabossés. Ça me dit quelque chose. Hein. C'est un contemporain. J'attaque complètement cramé Gilles Le Gardinier. J'ai jamais lu Gilles Le Gardinier. J'aime beaucoup ses couvertures avec des chats. C'est totalement une couverture marketing parce que c'est prouvé que les chats font vendre. Mais j'ai vraiment, faudrait que je lise un jour parce que ça a l'air sympa. Et j'ai Alice au Pays des Merveilles, version Benjamin Lacombe qui m'attend. Je l'ai, il est super. Donc voilà. A-t-on continué la chronique de Bridgerton ? Oui, j'ai continué les chroniques de Bridgerton. Je vais vous faire une vidéo un peu spéciale sur ce sujet qui sortira pas tout de suite. Et déjà que le deuxième intégral, je n'ai pas poursuivi ce que j'avais prévu dans la vidéo. Donc il faut que je vous tourne des petites scènes pour savoir ce que j'ai pensé du tome 2 et du tome 3. Et j'ai vu que le tome 4 et 5 devait sortir, est peut-être sorti maintenant. Je vais aller me l'acheter. Les chroniques de Bridgerton, c'est une expérience pour moi. Mais pour tout vous dire, quand je suis un peu triste et fatiguée, je dois avouer que ça me fait bien rire. Et ça me choque sur certains points. Ça confirme certains clichés que j'ai sur la romance, on va dire. Mais il y a du bon. Non, franchement, il y a des trucs qui sont sympas dans les chroniques de Bridgerton. Notamment, il y avait le tome avec Bénédicte. Il y a quand même une réécriture de Cendrillon qui est plutôt cool. Voilà, je pose ça là. Mais ouais, moi, tout ce qui est froufrou et court, moi, j'aime beaucoup. Hein. Prendre le thé comme ça, et puis quand il y a des affaires, moi, c'est Miss Potin. quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un peu une Miss Potin, mon espèce de double un peu maléfique. mais ouais, bon, après, c'est pas non plus de la grande littérature. Il y a beaucoup de défauts, mais je vais continuer. Florian, il faut aller au début du live si tu veux savoir quand le livre va sortir et dans quel genre c'est. Bon, j'en ai parlé au début quand tu auras la diffusion. Les mettre en luminaire, j'ai pas la couverture en tête, a l'air top, et la couverture d'une beauté, mais je ne l'ai pas en tête. J'attends la sortie et l'intégrale en français car j'oublie si trop de temps passe entre la sortie de chaque tome. Ah bah s'il y a une intégrale, j'attendrai aussi. Du boursin et une raclette, je vais l'utiliser. Mais c'est une très bonne comparaison, tu as raison. Je suis au tome 14 de l'épée de vérité, bientôt fini. Vas-tu t'y remettre ? Oui, Virginie, je vais m'y remettre. Mais simplement, il faut que je les achète. Faut que j'achète la suite. Mais en ce moment, j'ai pas de librairie à ma portée. Et en fait, j'achète de moins en moins sur Internet. J'ai d'autres achats prioritaires. Un canapé, par exemple. Voilà, ça, c'est mon achat prioritaire. Donc pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs d'achat. Mais il faut que je continue. Ça serait bien que je les finisse cette année. Parce qu'en même temps, si je les avais, je les aurais déjà finis, je pense, depuis longtemps. Dernièrement, j'ai lu Wilde. C'était sympa, Wilde. J'ai adoré comment l'auteur a traité les clichés de la fantasy. Une bonne lecture détente. Ouais, non, Wilde, c'est vachement sympa pour ça. C'est très humoristique, un peu gras. Mais en même temps, ça bouleverse un peu tous les clichés, donc ça change. Tac, tac, tac. J'ai vu... Ouais, il y a L'âme de l'empereur, Alain, sur Brandon Sanderson. Celui-ci ne me tente pas vraiment, on va dire. Je crois que c'est la couverture qui ne me tente pas. J'ai acheté le tome 1 de l'épée de vérité. Il y a du boulot pour arriver à bout. Oui, surtout que si comme moi ça fait 11 ans que tu les lis et qu'en fait tu n'avances pas parce que tu les achètes pas et que c'est une relation amour-haine que j'ai avec l'épée de vérité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans l'épée de vérité. En même temps, j'ai un plaisir malsain à les lire. Donc voilà. Est-ce que tu connais la maison d'édition ton commentaire vient de sauter à cause du truc. C'est MXM Bookmarks, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est Nina qui en parle beaucoup. C'est beaucoup de fantasy romantique, je crois. Ils ont une façon, je crois que c'est eux qui ont une manière de diffuser assez étrange avec leur... avec leur imprimeur, mais je connais de nom parce que Nina en parle, mais je crois pas du tout que ça soit mon genre de lecture, on va dire. C'est pas du tout ce que je lis. J'essaye de retrouver les commentaires, je suis désolée, non mais en plus avec le logiciel, pour le coup, je me perds beaucoup. Mais MXM Bookmarks, par contre, je crois que c'est un petit éditeur français, donc à soutenir. J'ai jamais lu leur livre, donc je peux pas témoigner de la qualité des ouvrages et tout ça. Voilà. Mais je connais le nom. Voilà, je connais le nom, mais je n'ai pas acheté. Je suis au tome 7 des Archives de Rochard. Il y a des gens
qui sont au taquet. Rhythm of the War est un peu décevant, très lent et redondant. Heureusement, la fin sauve le bouquin. À Brandon, au rythme où il écrit, parfois, bah, je peux comprendre que c'est un peu moins bon. Mais on verra, je me ferai mon avis dessus. Est-ce que quelqu'un sait si le live va commencer ou pas? Bah, le live, il a commencé depuis... Je sais pas depuis combien de temps on est en live, les gars. Ah bah, ça fait déjà une heure, donc oui, il a commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu l'intégrale de La Tour Sombre? Je ne l'ai pas lu, et c'est ça, un des seuls Stephen King qui ne me tente pas du tout. En ce moment, je suis sur Lovecraft, donc c'est Paul qui nous dit ça, merci pour le conseil. Ouais, moi, Lovecraft, c'est aussi une relation amour-haine, parce que c'est très compliqué d'aimer Lovecraft sans voir ses défauts, parce qu'il y a des sacrés défauts, mais personnellement, parce que moi j'ai lu un livre qui, donc, les montagnes de la démence, mais a priori c'est les montagnes hallucinées, donc je savais pas, mais celui-là j'ai beaucoup beaucoup aimé. Des gens qui veulent enlever la trilogie du Tierling. Voilà, j'ai lu Warbreaker sans Justicia la première fois, j'ai compris, mais c'est vrai qu'après avoir lu Warbreaker, ma lecture de Justicia a été illuminée. Donc voilà, il faut mieux avoir lu Warbreaker. Si je peux me permettre, comment marche la YouTube Money? Alors, la YouTube Money, c'est une question pour un YouTuber qui est compliquée parce qu'on n'en a pas beaucoup. En fait, la YouTube Money, donc comment on est financé? Moi, personnellement, je prends mon point de vue à moi. On est financé par les publicités. Donc, c'est les petites pubs. Alors, on est publicité, on est payé au lance-pierre. Mais voilà, au nombre de vues, tu as des petites pubs et tout. Donc, ça, on touche un petit pourcentage. Donc, ça, c'est assez minime. Il y a les lives où tu peux faire des dons. Donc, moi, je touche... Voilà, quelques dons, je touche 5 euros par mois de temps en temps sur les lives, et sinon tu as les partenariats rémunérés, chose qui est assez difficile sur YouTube, hein, parce que nous sommes bien sûr des êtres faits que pour faire de la publicité gratuitement. Nous sommes des outils marketing pour les maisons d'édition qui ne considèrent pas nos chroniques comme du travail. Ça, c'est une autre question aussi. Espérons que ça change un jour. Ça serait cool, voilà, qu'on arrête d'être un petit peu, et je le dis ouvertement, un peu exploité, voilà, pour ça. Mais bon, faut qu'on ferme notre bouche parce qu'on reçoit des livres gratuitement. On a de la chance quand même. Mais voilà, la YouTube Money, c'est les publicités sur Internet. Et donc, tu as un truc qui s'appelle Google AdSense. Et en fait, c'est Google qui te donne un certain nombre de sous à un moment dans l'année. Et moi, après, ça part chez ma comptable qui paye les impôts et tout. Donc voilà, il reste pas grand-chose à la fin. Voilà, mais c'est toujours mieux que rien. Je viens de me rendre compte que j'aime beaucoup tes lives, merci beaucoup, c'est toujours un moment super, bah, merci, oh, c'est le jour des compliments aujourd'hui, et une parenthèse avant de recommencer la semaine prochaine, c'est aussi ça que j'aime bien le dimanche soir, c'est un peu genre c'est... alors moi j'ai instauré les lives vraiment dans l'idée que ça a remplacé Cartoon Network, vous savez les petits cartoons sur Canal Plus en clair qui passaient avec Bugs Bunny et tout, bah, j'avais un peu envie de faire ça, voilà, mais en moins drôle bien sûr, mais j'avais envie de faire ça. Moi, j'ai adoré Bridgerton, ça me fait rire et sortir d'une patte de lecture. Ouais, mais Bridgerton, c'est vraiment le genre de livre qui te fait sortir d'une patte de lecture. On rigole aussi des clichés et tout. J'adore aussi le côté potin. Les Maîtres enlumineurs, c'est chez Albin Michel. Je lis assez peu d'Albin Michel imaginaire, pour tout te dire. Il faudrait que je m'y penche un peu plus. J'essaye de me pencher un peu plus sur Folio SF en ce moment. Et ma souris vient de bugger, non. Je viens de sauter un commentaire, j'ai pas envie de sauter de commentaire maintenant, voilà. Je suis en train de lire L'étrange malaventure de Mirella, je ne connais pas, de Fleur Vesco, qui est une réécriture du conte du joueur de flûte de Amine. Oh, trop bien! Ah bah je vais jeter un œil, j'adore les réécritures de contes. J'ai fini ton livre il y a pas longtemps, merci. Et je voulais juste te dire que j'ai vraiment adoré l'histoire et que j'ai hâte de lire la suite. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci. Ça fait plaisir de recevoir des compliments ce soir. Hein. Je vais avoir un ego ce soir, ça va être... Youpi, voilà. Est-ce qu'il t'arrive de jouer à des jeux de société? Si oui, lesquels? Oui, j'adore les jeux de société. Par contre, c'est un peu moins drôle quand tu joues tout seul. Parce que pour l'instant, je peux faire des parties avec moi-même. Oui, j'ai beaucoup joué aux jeux de société. Alors, ça dépend de comment tu considères les jeux de société, mais j'ai passé tout mon lycée, ma fac et tout, à jouer aux cartes. J'ai joué énormément aux cartes au lycée, j'adorais ça. Sinon, j'aime bien les jeux de société avec mes parents. Bon, moi, je suis une grande fan du Monopoly. Je suis pas mauvaise joueuse, mais j'ai envie de gagner quand je joue au Monopoly. J'adore le Trivial Pursuit. Bon, moi, c'est les classiques. Hein. J'ai Seven Wonders, que j'ai joué une fois, que j'avais bien aimé. Le Loup-Garou, et j'adore le Loup-Garou. Je suis plutôt une bonne maître du jeu, on me l'a toujours dit. Donc, j'aime beaucoup le Loup-Garou.
Ça, c'est un, je crois que c'est mon jeu de société préféré. Sinon, il y a plein de petits jeux, mais je ne connais pas forcément. Mais notamment, mes meilleures amies, on est assez friandes de jeux de société. Donc voilà, moi, j'aime bien ça. Je ne suis pas le genre de meuf à sortir en boîte. Et j'aime bien les bars. Alors, ça, j'aime bien. Mais les boîtes de nuit, tout ça. Donc, je préfère, je suis de ceux qui sont plus jeux de société, on va dire, que je me déhanche sur une piste de danse. Voilà. As-tu lu les contes de Vérania? Non, je n'ai pas lu et je vois même pas à quoi ça ressemble. Même si les montagnes de la démence, un peu long à démarrer, très très descriptif. Ah, mais j'ai adoré les montagnes de la démence. Moi, j'étais plongée dedans. Je crois que c'est le meilleur Lovecraft que j'ai lu. Je vais tester une raclette au boursin. C'est un truc à faire. La prochaine fois que je fais une raclette, je vais essayer de faire tifondre un petit boursin. J'adore le boursin en même temps. Donc. As-tu lu Grace Draven? Non, j'ai pas lu Grace Draven. J'ai fini Terre-Mère aussi, très bien, j'ai beaucoup aimé Terre-Mère aussi. Faudrait que je continue parce que Terre-Mère c'est vraiment le premier tome et il y a la suite, j'ai lu que le tome 2, mais forcément Ursula Le Guin c'est vraiment passionnant et c'est tellement précurseur par rapport à son époque, c'est assez hallucinant. Anergine Célia de Faux, je ne connais pas. Alors, une question sur le Seigneur des Anneaux, je suis au taquet. Salut, ça va? Ça va, ça va Clément. J'aimerais commencer le Seigneur des Anneaux, mais je sais pas quelle édition prendre, des conseils. Alors. Je vais te conseiller plutôt de prendre. Alors, ça dépend. Vous allez vous dire, elle est bien normande celle-là. Oui, mais non. En fait, si tu veux retrouver l'essence du film par les dialogues et tout, la première version, donc la première traduction, est plus proche des films, mais au niveau vocabulaire, au niveau construction de phrases, c'est beaucoup plus littéraire. La deuxième version, en fait, moi j'aurais tendance à plus te la conseiller parce que c'est la version la plus proche du texte et une version beaucoup plus abordable au niveau du style, du rythme et tout. Donc moi j'ai tendance à plus conseiller la nouvelle version, quitte à lire la première version avant. Parce que bah, ça serait bête, c'est tellement, les nouvelles traductions sont faites pour être meilleures, donc là en soi elles sont beaucoup plus légitimes par rapport à une promiscuité avec le texte original, donc voilà, mais en même temps si t'es proche des films, est-ce que ça pourrait un peu te gêner, je sais pas, moi j'ai aimé les deux, mais moi j'ai commencé avec la loi l'ancienne, et à la fac par contre j'ai lu la nouvelle, on a étudié la nouvelle. Bonjour, alors là c'est des gens qui se répondent. J'ai obtenu un refus. Ah, oula, on va parler de choses tristes. Alors, je suis désolée, en plus, je viens de perdre ton commentaire, c'est vraiment pas cool. Je crois que tu as eu un refus quelque part, j'ai juste eu le temps de voir ça. Voilà, donc c'était après Clément. Voilà, alors, Ryan Lee. J'ai obtenu un refus pour des études littéraires, j'ai néanmoins une autre voie possible, mais mon entourage ne me croit pas en moi, ça pique. Oui, alors, c'est une question qui résonne énormément pour moi, dans pas ma vie personnelle à moi, mais la vie de mes proches, donc c'est une question qui, je comprends, je suis totalement dans ton mood de pensée actuellement, mais il faut te dire, alors c'est ce que j'explique souvent, quand on a des échecs, les échecs sont tellement bons dans la vie, non mais sans blague, moi tous mes échecs m'ont apporté beaucoup plus de choses que, mes réussites aussi, mais le fait que j'ai arrêté le droit, voilà, parce que j'avais pas réussi à avoir mon année et que je détestais ça, ça m'a permis de changer de voie. Le fait d'avoir eu une alternance aussi catastrophique, ce que j'ai vécu comme un échec, en fait, de faire une rupture conventionnelle, de me casser parce que j'en pouvais plus, parce que, voilà, c'était horrible. Bref, le fait de m'avoir été harcelée au travail fait que, en fait, ça m'a apporté le fait que je crée mon entreprise tout de suite, ça m'a apporté énormément de clés de lecture, ça m'a apporté le fait que je ne reproduirais pas ces schémas-là avec les gens et que j'ai envie d'une édition beaucoup plus éthique. Voilà, donc il faut le voir comme quelque chose, sur le coup ça fait mal, hein, on va pas se le cacher, ça fait toujours mal à l'ego et tout, mais faut toujours te dire que c'est sûrement le destin. Ouais, moi je suis persuadée qu'on a sûrement tous un chemin à suivre et que parfois si on va pas dans cette voie-là, c'est qu'on n'était pas destiné à aller dans cette voie-là et peut-être que tu trouveras une autre voie qui te plaira beaucoup plus. En ce qui concerne ton entourage qui ne croit pas en toi, ça pique. Alors oui, ça pique, moi j'ai l'avantage et je dis d'avoir un entourage proche qui m'apprécie énormément, qui m'entoure et qui croit en moi. J'ai de l'entourage aussi, c'est pas le cas. J'ai perdu énormément d'amis depuis quelques années aussi à cause de la création de l'entreprise et de plein de choses. Tu es une personne unique, voilà, tu es toi. Et le fait que si ton entourage ne croit pas en toi, c'est que ton entourage a un problème et que je sais pas quel âge tu as, Bénédicte. Bénédicte, c'est le commentaire d'après. Je sais pas quel âge tu as, Ryan, mais à un moment, les relations toxiques, même si c'est ton entourage,
Il y a des moments avec la famille, faut aussi prendre de la distance quand c'est, ça te tire vers le bas. Tes proches, ils sont là pour te tirer vers le haut, ils sont pas là pour te tirer vers le bas. Je vais encore faire un discours de Miss France, désolée, mais je sais que c'est difficile. Mais vois ça comme quelque chose qui va te permettre de te forger aussi ton caractère, de te construire une carapace peut-être plus tard pour le milieu du travail, parce que c'est un milieu qui est rude, mais il n'y a que toi qui peux croire en toi. Faut pas prêter attention aux avis des autres. Et voilà, faut que tu continues ton chemin. Mais entourage ou pas, que ça soit ta famille, ça justifie pas un comportement qui fait que ça ne croit pas en toi. Ta famille, tes proches, ils sont là pour te soutenir. Et s'ils croient pas en toi, bah, c'est leur problème. Mais qu'ils s'attendent peut-être plus tard à avoir des conséquences à ça. Mais tu n'as pas à avoir l'approbation de tes proches. Tu n'as pas à avoir voilà, la croyance de tes proches pour être quelqu'un de formidable, de pouvoir réussir les choses. Il n'y a que toi qui peux faire changer les choses en travaillant, en croyant en toi. Le principal, c'est que toi, tu crois en tes rêves et en ta personne. Miss France, voilà, 2022, pour tout vous dire. C'est mon discours parce que moi, j'y crois à fond à cette manière de penser, mais c'est totalement ce que je pense. Voilà, donc on passe à Bénédicte, voilà, qui est un commentaire un peu plus joyeux. Par contre, le tome 4 de Charles Kelly est une tuerie à lire absolument, j'attends de le recevoir. Seven Wonders, c'est juste trop bien. J'ai bien aimé. Hein. J'en ai toujours entendu du bien. Et franchement, la seule partie que j'ai fait, j'avais bien aimé. Voilà, ça parle de jeux de société ici. Un live loup-garou avec des booktubeurs. Vous savez que j'y ai pensé, hein, vraiment. Marco, j'y ai pensé. Je me suis dit, ça serait peut-être un truc à faire. Mais je pense que je vais en organiser un jour. Peut-être en changeant un peu les règles du loup-garou et tout. Mais j'ai un peu envie de faire ça. Ça me tente parce que c'est un jeu que j'adore. Et y a vraiment une ambiance. Et là, si les gens s'y prêtent, vraiment, ça peut être drôle. Quoi, parce que des fois, on voit un peu la face cachée des gens. Et ça, c'est cool. Alors, j'entends parfois parler de lecture commune en live, je comprends pas du tout ce que c'est. J'ai beaucoup de mal à visualiser le fonctionnement de la chose. Alors moi, j'en fais pas et j'en ferai pas. Voilà, je l'ai déjà expliqué. En fait, une lecture commune, c'est souvent un youtubeur ou quelqu'un qui dit, bah voilà, ce mois-ci ou dans les deux prochains mois, partons du principe que nous allons lire La Huitième Fille. Le but, c'est que on mette, je sais pas moi, la première semaine un nombre de pages. Donc tout le monde lit et en fait, sur un espace comme Discord ou un espace comme YouTube, les gens disent ce qu'ils pensent et échangent en fait sur leur lecture. Donc la lecture commune, en fait, c'est le fait de lire en même temps que d'autres lecteurs et d'échanger. Donc moi, j'en fais avec d'autres YouTubeurs de temps en temps, mais personnellement, moi, je le fais qu'avec peu de personnes et des personnes qui lisent un peu au même rythme que moi. Et c'est un peu ça le principe. Alors. Oh, il y a quelqu'un qui finit ce soir Harry Potter en VO. Oh, trop bien. Ma première lecture du roman et aussi ma première lecture en VO. Et ce n'a pas été trop compliqué. Non, ils sont hyper simples à lire en anglais. Ah, j'espère que ça t'a plu. Oh, j'aime trop quand les gens me disent que c'est la première fois qu'ils lisent Harry Potter. Oh, ça me touche. Moi, j'avais 8 ans la première fois, donc c'est touchant. Voilà, donc il y a des gens qui parlent de jeux de société. J'ai vu que voilà, Le Seigneur des Anneaux voyage en terre du milieu avec une tablette et de belles figurines est très bon. Donc voilà, tu aimes les bars et les jeux de société, et c'est les bars qui proposent des jeux de société. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes maintenant, et c'est toujours bien sympa. Oui, j'y ai pensé, j'ai essayé une fois, je suis rentrée dans le bar, j'étais la seule femme du bar, et j'ai pas du tout aimé la façon dont on me regardait, donc j'ai fait demi-tour du bar, voilà, pour te dire. Et j'ai eu pas mal de copines qui ont eu des petits problèmes dans tout ce qui est bar à jeux, bar à cartes, Magic et tout. Moi, si c'est pour soit avoir des gestes déplacés envers ma personne, soit avoir des propos sexistes ou ce genre de choses, voilà, c'est pas trop mon délire, donc non, c'est pour ça, j'étais pas du tout à l'aise en fait, déjà aller vers des gens que je connais pas, c'est déjà un pas, et surtout quand on te regarde de cette manière là, non merci. Voilà, bonsoir. J'ai terminé Une sorcière à la cour de Philippe Madral, un roman historique sur l'affaire des poisons sous Louis XIV. Oh, trop bien! J'adore l'affaire des poisons. J'avais fait un exposé en 5e sur le sujet. Voilà. Ah, mais ça a l'air bien. Faut que je note. Je vais le noter. Mais j'aime bien les romans historiques. Faut que j'en lise plus. Des gens qui lisent La fille au papillon. Un policier sur la prostitution et maltraitance infantile. Ouah, super sujet. Belle écriture, mais un peu éprouvant, tu m'étonnes. Ouais. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec ce genre de livre. Voilà. J'ai lu des trucs qui m'ont traumatisée. Et c'est un sujet, je ne sais pas pourquoi, avec le temps, ça me sensibilise beaucoup plus. Donc voilà.
Les gens qui parlent du droit, parlons du droit, crachons sur le droit, s'il vous plaît. J'ai essayé de faire du droit, mais à cause de mes problèmes dépressifs, je n'ai jamais eu le courage de m'en sortir à la faculté. Les médicaments me tiraient vers le bas, gros regret. Bon, après, il n'y a pas besoin d'avoir des médicaments pour sortir mal en droit, hein, pour tout te dire. Mais après, est-ce que c'est une perte? Voilà, moi, le droit, ce n'est pas forcément un milieu que j'ai apprécié, ni des gens, à part à certaines expressions, que j'ai apprécié. Mais de toute façon, la dépression, c'est un peu difficile quand tu... Quand tu es aux études, sachant surtout en fac, parce que t'es un peu la jungle, hein, donc il faut se débrouiller. De toute façon, quand tu vas mal, la fac n'en a rien à battre. Donc tu peux un peu crever dans ton coin. Ils en ont rien à foutre. Mais bon, ça, c'est le milieu scolaire. On va pas changer la faculté, mais c'est un peu comme ça qu'ils font du tri, malheureusement. Mais j'espère que tu t'en es sorti quand même et que tu t'es réorienté ou que tu as fait autre chose qui te correspond plus. Les gens qui ont commencé Franck Tillies, j'ai jamais lu Franck Tillies. Coucou, as-tu déjà eu une panne de lecture? Coucou, oui, j'en ai eu il y a 2 semaines. Voilà. Si oui, comment tu t'en es sorti? Jusque j'en suis en plein dedans. Alors, les pannes de lecture, j'en ai très très rarement. Pour quelqu'un qui a mon rythme de lecture, c'est vrai que dans ma vie, j'avais dû en avoir 3 ou 4. Hein. C'est pas énorme depuis le nombre d'années que je lis. J'en ai eu une sévère, là, à cause de l'énorce de la renarde. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, sauf que, en fait, le problème de la panne de lecture, c'est que c'est très dépendant de chacun. Il y a des gens qui vont pas lire pendant un certain temps et se remettre à la lecture quand ils en auront envie. Personnellement, moi, c'est pas du tout comme la façon dont je fonctionne. En fait, il faut que je lise, quitte à avoir des lectures un peu décevantes, et jusqu'au moment où je trouve un livre qui me donne goût à la lecture, je repasse Calam. Mais donc c'est pour l'instant. En fait, j'ai lu Terreur avant de Dan Simmons qui m'a sorti de ma panne de lecture parce que j'ai bien aimé le récit et tout, mais je l'ai pas touché. Mais en fait, moi, je m'accroche, je lis des choses, même si je passe un moins bon moment. C'est pas que je me force à lire parce qu'en fait, moi, ma vision de la lecture, et c'est pas la vision de tout le monde, c'est que moi, je le ressens pas comme un loisir, je le ressens comme un besoin. Voilà, vous savez, les besoins prioritaires et tout, comme manger, dormir, moi, c'est la lecture, tu vois. Y a des gens qui ressentent d'autres besoins primaires, moi, c'est ça. Je suis malheureuse, je suis pas bien quand je lis pas. Et donc, j'étais obligée de continuer, sinon mon bien-être mental n'allait pas suivre. Mais c'est soit tu te fais une pause et tu te dis, tu liras quand ça te fait envie, quitte à ce que ça dure des mois, il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. Soit essaye de prendre un livre où tu es sûr que tu vas aimer. Soit tu relis un livre qui t'a beaucoup plu, les Harry Potter par exemple, si tu as adoré Harry Potter. Bref, des livres doudou, des livres chouchou. Soit, comme moi, tu te dis, Calam, tu as quand même adoré le premier tome. Paul, on l'adore, donc on va se dire, ça va nous sortir de quelque chose. Mais les pannes de lecture, c'est hyper indépendant de chacun, donc c'est un peu compliqué de... Puis si on n'est pas eu beaucoup, on va dire, et que je suis une lectrice quand même assez facilement convaincue et qui ne se force jamais vraiment à lire, donc c'est ça aussi. Faut que tu viennes à Lille, on a des bars et des jeux de société où on sert des plats à base de fromage fondu. C'est formidable, j'adore Lille, j'y suis allée plusieurs fois, mais j'aimerais bien aller voir Cornelius, mais il faut que, faut que j'aille au Fur et de Nord. Mais j'aimerais bien faire une dédicace aussi à Lille, il faudrait que j'organise ça. Mais j'avais prévu, mais ça avait été annulé. Mais ça serait sympa. S'il y a des libraires à Lille, n'hésitez pas. Si vous connaissez des libraires, n'hésitez pas à en parler. Mais j'aimerais bien faire une dédicace parce que c'est vraiment une chouette ville. J'ai fait la braderie il y a quelques années, j'avais adoré. Plus le côté vraiment vieille braderie que le côté. Il y avait trop de monde de l'autre côté magasin. Mais c'est une belle ville. Hein. Puis les gens, les Lillois, ils sont cool. Je sais pas, il y a une bonne ambiance. Puis c'est, vous savez, nous, le Nord, les Normands, le Nord. On vient du Nord, donc on se comprend un peu. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les Lillois que les gens du Sud. Désolée si vous êtes au Sud, mais on n'a pas du tout la même façon d'aborder les gens, de construire des relations et tout. C'est une autre culture, on va dire. Et c'est vrai que c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai vu Imagine Dragon il y a quelques années en concert là-bas. Et j'aimerais bien y retourner parce que franchement, j'adore Lille. Et puis moi, le temps, ça ne me dérange pas. Mais c'est une ville où j'entends beaucoup de bien. Puis vous avez beaucoup de bars, hein, c'est connu pour ça. Le Nord, on connaît, voilà. Mais ça serait cool que j'y retourne, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est pas très loin de là où j'habite, c'est pas très loin. Ça se fait quand même en voiture assez facilement. Des gens qui lisent Arsène Lupin et on se moque pas. Ben non, on se moque pas, c'est cool Arsène Lupin. Moi j'ai lu ça quand j'étais ado, j'avais adoré. Il faut que je relise de toute façon. Alors, est-ce que tu priorises la VF ou tu n'as pas de soucis avec les éditions CVO si elles sont moins chères, disponibles ou plus tôt? Alors, moi, je lis plutôt bien en VO, hein, j'ai pas de problème vraiment de lecture en VO, même si je lis beaucoup en young adulte et qu'en fait, je me mets des barrières à de la littérature adulte alors que, voilà, je suis pas
bilingue, mais j'ai pas non plus. Je comprends quand on me parle en anglais. Je comprends les séries quand ils parlent en anglais. Je mets les sous-titres parce que je suis une flemmarde, mais je peux très bien comprendre une série sans mettre les sous-titres. Mais le truc, c'est qu'en fait, la VO, ce qui se pose, c'est que avant, j'achetais énormément de VO quand j'allais en Angleterre, parce que étant normande, nous avons beaucoup de lignes pour aller pas cher en Angleterre en bateau. Et vous savez très bien qui est arrivé et qui a brisé mes plans. J'allais dans des pays anglophones presque tous les ans depuis des années parce que j'adore les pays anglophones. Et là, en fait, j'ai plus de possibilité d'achat, donc ce qui fait que je n'ai plus de réserve de livres en anglais. Et le fait que les gros sites de vente en anglais, ce qui est donc Amazon, ce qui est Book Depository, appartiennent au groupe Amazon. Donc je ne veux pas acheter en anglais. Donc en fait, moi, c'est vraiment des difficultés quand on ne veut pas acheter, quand on veut pas acheter Amazon, c'est difficile d'acheter en VO en ce moment. Voilà, et en fait, j'attends d'aller en Angleterre pour me refaire un plein, quitte à prendre une valise entière de livres et dépenser une somme qui ne devrait pas être dépensée. Mais non, moi, ça me dérange pas. En fait, je priorise le français parce que moi, je travaille avec des maisons d'édition françaises, que je défends la littérature française et que je lis quand même pas mal de fantasy française. J'ai envie quand même de vous présenter ça. Mais par exemple, quand Georges va sortir son livre, il va sûrement sortir en anglais. Donc on va l'acheter en anglais. Mais j'ai lu. C'est déjà sorti chez Rajo depuis le temps, mais il y a quelques années, j'ai lu The Queen of Nothing, The Cruel Prince. Bah, le troisième que j'ai toujours pas acheté parce que je suis partie en Angleterre, je le lirai en anglais parce que je les ai tous lus en anglais. Mais j'aime bien de temps en temps, ça me manque en fait de lire en anglais. Et ça fait vachement travailler en plus la langue. Alors, j'ai été perdue dans les commentaires. Est-ce que je suis obligée de le dire? Voilà. Vous ne soyez pas désolés pour être embêtés dans un barrage de société. C'est la société que comme ça. Malheureusement, il faut... Envisages-tu de lire La Cité de Laiton? C'est Ambre qui le demande. Je suis pas habituée à la fantasy orientale, je trouve ça très sympa. En fait, j'ai oublié de le demander à De Saxus ce qu'ils m'ont proposé, mais j'ai oublié de dire je suis intéressée. Donc peut-être un jour. Après, moi, la fantasy orientale, j'aime beaucoup quand c'est assez creusé, donc j'ai un peu peur que ça soit young adulte, mais c'est super la fantasy orientale. Mais peut-être qu'un jour je le tenterai, quand je le trouverai en occasion celui-ci, parce qu'il me tente pas. A priori, j'ai un peu peur de la jeunesse. Je préfère, depuis que j'ai lu Characaï et tout, puis d'autres récits, hein, comme Le Lion du Caire et tout, j'ai préféré la fantasy orientale adulte. Donc c'est pour ça. Alors. Je n'ai jamais lu... Il y a un truc sur Harry Potter, donc forcément que je vais le lire. Je n'ai jamais lu Harry Potter, je n'ai pas regardé les films avant mes 18 ans. J'ai eu la même chose avec Star Wars, j'ai regardé Star Wars à mes 17 ans. Traumatisée à 12 ans par l'araignée géante du 2, arachnophobie, oui, je comprends, nous avons le même problème. J'accroche pas du tout... j'accroche pas du tout, bien que ça soit sympa, me renie pas. Non, mais j'ai aucun problème avec les gens qui n'aiment pas Harry Potter. Je suis pas ce genre de personne qui fait comme tu n'aimes pas une de mes passions, tu es une personne horrible. Non, mais j'ai plein de gens qui n'aiment pas Harry Potter dans mon entourage, et je suis pas à essayer de les brûler dans mon jardin. Non, c'est pas... Je comprends très beaucoup, hein. Surtout si tu les as découverts assez tard, à l'âge adulte, c'est assez compréhensible. Mais c'est compréhensible. Voilà, des gens qui parlent des pannes de lecture. Tu vois, Alexa, il dit qu'il s'est orienté vers les métiers de bibliothécaire. Bah, c'est cool, ça. Et grâce à une des vidéos, je vais me procurer Arthur de Thomas Mallory. Voilà, très bien. Mais c'est super, les métiers de bibliothécaire. C'est un super métier de bibliothécaire. J'y ai pensé un moment. Parce qu'en fait, t'as le truc sympa de conseil comme les librairies et t'es pas obligé de faire du chiffre. Après, c'est un métier qui est assez prenant et c'est des études qui sont pas faciles d'après mes souvenirs, mais c'est un chouette métier. Voilà. Des gens qui disent « Quand j'ai ma panne de lecture, mon remède, c'est Agatha Christie. » Voilà, il faut trouver son petit auteur, chouchou. Ah, c'est sûr que les bars à jeux où il y a des joueurs de Magic respirent la testostérone, il n'y a pas que des comme ça, heureusement. Désolée que tu aies eu une mauvaise expérience, j'espère bien qu'ils ne sont pas tous comme ça. C'est hallucinant, quoi. On est en 2021, on a encore ça, quoi. Et t'as même pas le droit d'ouvrir la bouche pour un peu te dire, ce n'est pas parce que tu es un homme qu'on ne peut pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Voilà, mais malheureusement, dans la tête de certains, c'est un peu compliqué. Voilà, mais ça, c'est un problème d'éducation que j'espère qui sera réglé avec les générations futures. Mais voilà. Question débat, Paris, c'est au sud ou au nord pour toi? C'est au sud, Paris. c'est au sud de la Normandie. Donc, tout ce qui est au sud de la Normandie, c'est le sud. Non, moi, je parle... Tout ce qui est le sud, en fait, c'est moi, c'est en dessous de Paris. Quand je parle du sud, en général, c'est en dessous de Paris. Voilà. Moi, Paris, c'est le milieu de la France. Donc, voilà. On a une plus grosse partie de sud. Mais quand je parle du sud, en général, je prends Paris aussi dedans.
À force de parler fromage, vous allez me donner envie de donner la parfum. Bah, c'est exactement le but. Voilà, j'essaye de placer des choses pour que tu aies envie de manger du fromage. Alors, tac, tac, tac. Puis on repart. J'ai compris Beaufort parce que j'ai une obsession sur le fromage ce soir. En événement local sympa, j'ai adoré. C'est la foire aux livres à Belfort. Je connais pas, mais c'est sympa les petits festivals locaux, tout, c'est super. On est gentils les sudistes. J'ai vu, on est un peu trop expansif. Faut que je retrouve ton commentaire. C'est exactement ça. On n'a pas du tout la même notion du contact physique et même de l'amitié en fait. Vous êtes très copains tout de suite et tout. Nous dans le Nord, ça se passe pas comme ça. On devient pas potes alors qu'on s'est vu qu'une fois quoi. Et voilà. Puis j'ai eu des souvenirs de vacances pas toujours. Les gens du sud sont gentils, mais il y a aussi des gens où j'ai pas trop apprécié niveau caractère. Ça ne passait pas. Et oui, vous êtes un peu expansif. Faut apprécier. Voilà. C'est pas trop mon truc, mais je comprends. Et en même temps, c'est tellement accueillant. Voilà. C'est pour ça que vous êtes des régions aussi accueillantes parce que vous êtes très accueillants. Nous, on est plus dans le froid, le cliché, sous la pluie avec notre impair. Voilà. On est plus dans la retenue. Quand on connaît des gens. Mais ça fait partie de votre charme, donc voilà. Puis il y a des gens du Nord qui adorent le Sud et vice-versa. Vive le soleil du Sud, voilà. Moi, je préfère la pluie du Nord, on est sur une opposition, là. Les gens qui doivent retourner à Lille pour manger des spécialités, ouais. Vous mangez bien aussi, là-bas. Alors, as-tu vu... Alors, au vu de ton expérience en études de lettres modernes, quels conseils donnes-tu pour réussir dans cette filière ? Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, les études de lettres modernes, j'y suis allée un peu en mode YOLO. J'avais fait du droit pendant 2 ans, ayant un peu abandonné mes études de droit, c'est-à-dire que je bossais plus à la fin, on va dire. J'ai eu un niveau d'études clairement supérieur aux gens qui rentraient en études de lettres. Donc, si t'as pas fait d'études avant, c'est toujours plus facile après. Quand t'as fait des études, c'est facile après quand tu vas en lettres. En fait, il faut que tu lises beaucoup. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de lire aussi les livres, pas que les livres obligatoires, aussi les livres à côté. Que tu te fasses ton propre avis sur la question, de travailler ton argumentation. En fait, moi, la clé, c'est de lire énormément de recherches, de thèses, de livres en général, d'augmenter. En fait, en littérature... En lettres modernes, ce qui fait la différence, c'est ta culture générale en termes de littérature. C'est tous les classiques que tu lis. C'est ta capacité à répondre une bonne argumentation. Que ça soit aussi beaucoup lire les journaux, l'actualité, mais aussi au niveau culturel, tout ce qui est peinture, art et tout ça, parce que c'est très dépendant. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, notamment sur la religion. Voilà, notamment chrétienne, genre l'impact, l'influence, parce que c'est des choses qui servent dans tes dissertes et tout. Donc voilà, beaucoup lire, travailler, parce que de toute façon, moi ça n'a pas été trop le cas, mais il faut travailler. Faire bien sûr ce qu'il faut et t'entourer des bonnes personnes aussi, voilà. Pas des flemmasses qui partent, qui vont jamais en cours et tout. C'est la clé de la réussite aussi, d'avoir des gens qui sont bosseurs autour de toi, on le dit pas assez, mais ça influence beaucoup, évite de sécher. Alors en fait, le premier conseil, c'est d'aller en cours. Bon là, tu peux pas aller en cours, mais de suivre les cours et d'écouter les cours, parce que comme ça, t'as beaucoup moins à travailler. Mais il y a des gens qui se plaignent de pas réussir leurs études quand ils ont jamais foutu les pieds dans leurs cours. On s'étonne pourquoi, mais c'est un peu le conseil que je peux te donner. Après, moi, les études de lettres, ça m'est paru assez simple. Voilà, j'ai pas... Oui, bon, pourtant, j'ai beaucoup de gens qui ont galéré, donc chacun a son a priori là-dessus. Est-ce que tu as prévu de faire des dédicaces à Strasbourg après le Covid? J'aimerais bien, mais pour l'instant, je peux rien te dire, parce que de toute façon, Strasbourg, c'est pas loin d'Épinal. Hein, donc, je suis pas sûre que je retournerai dans l'Est si je suis prise aux imaginales, bien sûr. Je vois que des gens qui recommandent Robert Merle. En pourcentage, c'est un peu casse-pied. J'ai pas besoin de remonter énormément à chaque fois. Quelle est la probabilité que Martine publie son livre avant de passer la main gauche? S'il ne fait pas, tu penses que quelqu'un d'autre le finira son manuscrit? Tu choisirais qui? Alors moi, j'aime pas du tout spéculer sur la mort des gens. Voilà, c'est un peu glauque quand même. Donc Georges, il a encore en vie. Voilà, je ne lui souhaite pas qu'il trépasse. Moi, je pense qu'il va finir Wind of Winter. Ça a l'air d'être bien avancé. Est-ce qu'il finira son cycle? Peut-être pas. S'il ne le fait pas, tu penses que quelqu'un d'autre finira le manuscrit? Je pense que la maison d'édition a prévu ce petit désavantage. C'est comme Robert Gendarme, quand il y a du fric à la clé, tu prévois quand même de finir une saga littéraire si ça peut te ramener du fric. Donc je pense que quelqu'un a dû déjà être désigné. Peut-être que Brandon nous pondra une suite, hein, peut-être. Mais évitons de spéculer sur la mort de George. Évitons, c'est un peu glauque et c'est pas très respectueux pour sa famille. Puis pour lui-même aussi.
Alors, pour ceux qui ont du mal avec les études, on est sur les études, il y a la mission locale. Grâce à ça, je vais avoir une formation avec des livres et j'ai 500 euros tous les mois. Oui, c'est un peu, c'est mission locale le nom. J'ai des potes qui ont fait ça aussi, c'est les services civiques en fait, qui te permettent un peu d'avoir d'expérience et de découvrir, par exemple, des métiers quand tu veux un peu t'orienter dans la culture ou pas. Tu testes un peu si ça te plaît ou pas, si tu veux avoir des métiers un peu différents, ça te permet d'avoir un premier pas et t'es rémunéré comme un stage. Donc ça, c'est les services civiques, c'est assez cool. En parlant des métiers du livre, je prépare le CAPES pour être prof doc, donc la madame du CDI. Désolée, je vais dire, mais j'ai tellement de mauvais souvenirs avec les madames du CDI que j'ai toujours une image horrible de ces femmes. Désolée, mais ça a toujours été, ça s'est jamais très bien passé avec moi. Je suis en train de préparer les oraux, j'espère que ça va se passer, que ça va bien se passer. En espérant transmettre l'amour des livres aux adolescents, j'espère, fais bien ton travail, parce qu'il y a beaucoup de gens du CDI qui ne font pas bien leur travail. Voilà, qui sont des vrais pots de vache, on va pas se le cacher. Mais oui, non, c'est un peu dommage parce que c'est un beau métier. Je trouve qu'il n'y a pas des gens assez compétents dans ces métiers-là pour donner envie. Genre moi, au lycée, au collège, ça n'a pas du tout été ça. Hein. En primaire, quand on avait la dame de la bibliothèque, c'était cool. Mais sinon, c'était un peu compliqué. Je suis normande, installée à Lille. Les gens sont tellement gentils, accueillants. J'ai pas vécu la même chose à Paris. Exactement. Mais de toute façon, tout sera mieux qu'à Paris. Je sais pas, mais t'as quand même beaucoup plus de chances à ce que les gens soient plus accueillants. Mais oui, non, mais les gens, ils sont gentils dans le Nord. Hein, ça, c'est sûr. Peut-être que j'ai encore perdu les commentaires. J'ai aménagé dans le Sud il y a pas longtemps. Ils aiment pas la pluie. C'est si triste. Oui. Moi, j'ai eu pas mal de. J'ai des connaissances et pas mal de gens que je connais qui sont allés dans le sud et qui ont eu. Quand ils se sont installés et tout, ça a été un peu plus froid au niveau de l'accueil et tout. Notamment dans tout ce qui est un peu, tu sais, cité historique ou tout ça, où dès qu'il y a un peu de. Quand t'es commerçant et tout, c'est un peu mal vu quand tu prends un peu la place de l'autre, du mec du pays. Bon, ça, c'est un peu partout. Mais ouais, non, c'est. J'espère que tu te plais, hein, parce que bon, après, le soleil, c'est bien aussi. Hein. Bon, tu vois là. Vous entendez pas, mais il pleut. Voilà. On a eu de l'orage toute la journée. Quel est le cliché qui ne supporte vraiment plus dans la fantasy? Tu le sauras dans le prochain live. Voilà, parce que c'est une des questions qui sera posée à nos invités. Puis j'y répondrai sûrement. Est-ce que ça t'arrive d'abandonner une lecture? C'est très rare. Et je le faisais plus avant, pour tout te dire. Et depuis la chaîne, je me sens responsable en fait de finir mes lectures pour vous faire des chroniques. Parce que si je vous dis que j'abandonne des livres, je fais pas le job en fait. Je vous dis pas les points négatifs et positifs. Le dernier livre que j'ai abandonné, c'est Billy, que j'ai détesté. Parce que ce livre, pour moi, c'était nul. Pire que nul. Il n'y avait pas de points positifs, il n'y avait pas de chronique possible, c'était mauvais. Donc voilà, quand c'est pas possible, voilà. Mais en général, pour que je déteste un livre au point de ne pas le finir, faut quand même y aller, hein. Faut quand même y aller. Mais j'évite de le faire parce que je trouve que c'est pas très respectueux envers les auditeurs, les viewers, bref, envers vous, quoi. Je trouve que c'est quand même mon job de lire les livres et de vous faire des chroniques et pas de vous dire j'ai abandonné ça et ça, quoi. Voilà, il y a des monsieur et madame CDI dans les commentaires. Voilà, dans le sud, on aime le soleil, logique, bah oui. Tac, tac, tac. Je descends un petit peu. J'ai descendu trop. Comme d'habitude. Bon, les gens qui parlent de Brandy. Georges n'est pas si vieux, il a 72 ans, ça va encore, oui. À chaque fois que les gens ils disent qu'ils vont avoir un pied dans la tombe, je fais le mec, il a 72 ans. Il a quand même, peut-être, sûrement, s'il est en bonne santé, quelques années à vivre. Voilà. N'enterrons pas les gens plus de 70 ans trop vite non plus. Voilà, il y a des gens qui vivent centenaires. Non, mais on est gentils les Parisiens. Pour avoir vécu 2 ans à Paris, c'est pas le mot. Ça dépend d'où t'es à Paris, mais moi, c'est pas ce que j'ai retenu de Paris. Les gens de la banlieue, ça s'est bien passé. Tous les gens que j'ai connus dans Paris, ça s'est très très mal passé. Voilà, ça n'a pas été des gens avec qui j'ai gardé contact. Voilà, après, c'est une question de caractère. Et puis, on ne fait pas de généralité sur la chaîne. Mais voilà, c'est la bienveillance et l'accueil n'a pas été la chose que j'ai trouvée à Paris. Voilà. Tac tac tac. Orage en Belgique aussi, je compatis. Ouais, on s'est retrouvé sous une douche tout à l'heure. C'était magistral. Quel est le pire livre que tu aies lu? Moi, c'était 50 nuances de Grey. J'ai jamais eu autant l'impression de lire du vide. Moi, 50 nuances de Grey, qu'est-ce que j'ai ri. Hein. J'ai jamais ressenti un tel ennui en lisant un livre. Le pire livre, je peux pas te dire le pire livre.
Le dernier, c'est Billy, hein, que j'ai, après, je me souviens pas forcément des moins bonnes lectures que j'ai eues. 50 nuances de Grey, ça m'a fait rire. C'était magique comme lecture. Hein. C'est le vide, ça représente un peu la lecture. Mais en même temps, moi, j'ai pris du plaisir quand même à taper sur le roman et à me foutre de la gueule des personnages et de l'écriture. Ça, c'est un plaisir malsain, mais j'ai quand même j'ai eu le plaisir. J'ai reçu Christian City en hardback. Je ne l'ai pas demandé non plus, celui-là, parce que Sarah J. Maas, je n'aime pas ses écrits, donc je ne vais pas retenter. Hein. Traumatisme de A Court of Thorns and Roses, on ne va pas retenter le diable, mais c'était pas... Voilà, les gens qui défendent Paris, les Parisiens gentils. Oui, il y a des Parisiens gentils accueillants, mais ils sont rares, oui. La ville d'après ma mère a beaucoup changé depuis les années 90. Ouais, je sais pas, moi je suis née dans les années 90, mais la bienveillance et la gentillesse, c'est pas les qualificatifs que j'aurais donné. Voilà. J'ai vu qu'il y avait dans le Nord, il y avait une team maroilles, bien sûr. Je suis pas team fromage fort, mais voilà. Chacun, nous on a le camembert, le Neuchâtel. On a aussi nos petits trucs qui sentent fort dans la bouche. Les Qatars, j'adore les Qatars. Vous me faites rire. Non mais sans déconner, les Qatars, j'adore les Qatars. Vous savez pas le nombre de bouquins que j'ai lus sur les Qatars parce que j'ai fait un exposé en littérature du Moyen Âge sur les Qatars et j'aime beaucoup aimer les Qatars. Je trouve ça passionnant les Qatars. Voilà pour tout vous dire, tout le culte et tout. Bref, les secrets. Bref, bon. J'ai l'impression d'avoir 10 ans quand je dis ça, mais j'adore. C'est Marseille, bébé. Oui, non, je suis désolée, c'est mon plaisir coupable, juge, pour cette chanson. Marseille est très fière. Je suis jamais allée à Marseille. Mais les Marseillais sont connus pour être sympas, hein, en général. Mis à part, j'ai même énormément ta chaîne. Merci beaucoup. Voilà. Ton programme de la soirée. Je sais pas quoi regarder. Ah bah, je vais vous parler des dernières séries que j'ai regardées. Je regarde plein de choses, parce que pendant la panne de lecture, bah, je passais mon temps couché sur le lit qui me sert de canapé pour regarder. Alors, je suis en train de regarder un drama coréen, si tu aimes les dramas coréens, assez sérieux, qui s'appelle It's Okay to Not Be Okay, qui est un drama, en fait, qui parle de maladie mentale en Corée. Et c'est très intéressant. Ça reste un drama coréen, mais c'est très intéressant. En film, on a regardé avec ma sœur un film qui s'appelle Thunder Force. Donc, c'est une parodie de super-héros. Si t'aimes les parodies un peu grassouillettes, grasse. Voilà, c'est sympa. En fait, c'est l'histoire de nana qui sont quadragénaires, qui étaient très amies ensemble et qui se sont séparées parce que, voilà, une juge que l'autre l'a tirée vers le bas. Et des années après, elles se retrouvent pour une soirée, vous savez, les soirées, ma pire angoisse sur Terre, mais les soirées lycéennes où tu te retrouves, voilà, des années après. Et en fait, y en a une, elle se rend au bureau de celle qui a réussi. Et elle va, par mégarde, nous la faire à la Spider-Man, c'est-à-dire qu'elle va s'injecter un produit, elle va devenir une super-héroïne. Et donc, c'est toute une parodie. Et ce qui est super cool, c'est que ça met en avant des femmes quadragénaires. C'est pas forcément, vous savez, les femmes, souvent dans le cinéma et tout, ce sont les jeunes femmes qui sont mises en avant. Passé un âge, on a tendance à les invisibiliser. Et c'était super cool, c'était drôle. Très comédie à l'américaine. On a re-regardé un film que j'ai adoré, que j'adore, parce que il y a mon petit chouchou dedans, il y a deux petits chouchous dedans. C'est donc Uncle, agence très spéciaux, avec Henry Cavill qui porte des costards et la petite mèche plaquée à droite. Voilà. Pendant tout le film, c'est un film parodique sur l'espionnage qui est très sympa, qui est très cool. Sinon, en série, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Le Serpent, que je vous conseille. C'est ça a fait un carton sur Netflix, qui est donc sur Sauraj, qui est un tueur en série très connu français, qui a exercé notamment en Thaïlande. Et là, j'ai commencé hier un épisode, et j'ai adoré le premier épisode. Je me lance enfin dans The Crown, donc c'est la série sur pseudo-historique, c'est plutôt assez fictif, sur la famille royale anglaise, et j'ai adoré le premier épisode, donc je te le conseille. Rien que pour le premier épisode, j'étais convaincue. Donc c'est un peu tout ce que je peux te conseiller. Sinon, j'ai regardé Shrek 1 et 2, toujours une valeur sûre, Shrek. Voilà, toujours une valeur sûre. Mais voilà, non, ce soir, ça va être un petit épisode 2 de The Crown, je pense. Voilà, devant des petites patates et des petits œufs à la crème, pour tout vous dire. J'ai cuisiné un peu ce soir, voilà. Parce qu'avant, c'était des pâtes tous les soirs, mais ça va être le programme de ce soir, et ça va être très sympa. Puis on va lire un petit peu. Mais je te conseille The Crown, et puis je te conseille Le Serpent, qui était vraiment très sympa. Puis Grisha, que j'ai bien aimé. Team raclette est fondue, mon haleine est pourrie. Moi aussi, team raclette, j'adore la raclette, c'est mon plat préféré.
ça explique ce corps de rêve aussi. Mais, ah non, le fromage, moi, c'est le fromage fondu, c'est une passion dans la vie. Tu lis souvent la non-fiction, ST, histoire, critique littéraire. J'en ai lu beaucoup pendant mes cours. C'est un genre que j'aime beaucoup, mais c'est des livres qui sont assez chers. Et en fait, moi, j'adore la non-fiction. J'ai envie de m'y remettre plus. Simplement, c'est pas vraiment vers les régions vers lesquelles je me dirige. Et souvent, je suis un peu ralentie par les prix. Parce que souvent, c'est des livres qui sont assez petits. Là, j'étais tombée sur un livre de paléontologie qui avait l'air super, mais il était à 25€ pour 150 pages. Donc voilà, c'était un peu dommage. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment continuer à lire, et plus parce que c'est quelque chose dans lequel je me reconnais vachement et que j'aime beaucoup. Donc ouais, la non-fiction, j'ai vraiment envie de plus me mettre dedans. J'ai une petite étagère, voilà, avec quelques textes, mais pas grand-chose quoi, par rapport à ce que je lis d'autre. J'ai encore perdu les commentaires. Vous savez, quand je parle pas, c'est que j'ai perdu les commentaires. Donc, je vais arrêter de le dire, parce que ça va devenir un running gag. I Care A Lot sur Netflix, le personnage principal est la pire raclure de l'humanité. Il est vraiment sympa, I Care A Lot. Je l'ai vu, vraiment, il est super. Et en fait, c'est une histoire d'une nana aux États-Unis qui travaille dans des pseudo-EHPAD. En fait, elle arnaque les gens en les plaçant sous tutelle et en les séparant de leur famille pour tirer un peu l'argent et le fric, voilà, de certaines fortunes. Et c'était super, moi j'ai adoré. Tu as regardé Night Stalker sur Netflix? Bah bien sûr, dès qu'il est sorti, j'ai regardé. Hein. Vous savez, Richard Ramirez, c'est horrible de dire ça, parce que je déteste dire ça, donc je ne vais pas le formuler de cette manière-là, mais Richard Ramirez est un des tueurs en série que je trouve le plus intéressant. Voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup, même si c'est horrible, hein, mais moi, je suis assez macabre sur ce que j'aime, on va pas se le cacher. C'est horrible d'aimer ça, mais j'adore le true crime, je ne vais pas m'en cacher. Et Richard Ramirez, c'est assez fascinant sur la façon dont ça a été. Ça a été en plus une course-poursuite sur plusieurs de longs mois et tout. Bref, c'est passionnant. Donc oui, The Night Stalker, j'ai regardé. De toute façon, là, il faut que je regarde Le Fils de Sam aussi. J'ai une passion morbide pour ça. Hein. Ça, c'est... Les gens ne comprennent pas toujours, mais j'adore ça. Ah, tu as combien de chouchous? Moi, j'ai une liste de chouchous. Moi, j'ai beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un de très exclusive en matière de qui j'aime à la télé. Voilà, que ce soit femme ou homme, j'aime tout le monde. Voilà. Mais non, mais j'ai des chouchous. Moi, dès que je vois quelqu'un qui me plaît, c'est mon chouchou directement dans ma petite case, quoi. Donc, Henri Cavill, en même temps, c'est un chouchou qui est assez récurrent, vous le savez très bien. Il existe des marchés d'histoire vivants, et donc c'est super, on revit l'histoire, il y a toutes les époques, les personnes s'habillent comme à l'époque, il y a des spectateurs, des armes médiévales. Ouais, il y a c'est souvent des reconstitutions historiques, grandeur nature. J'y suis vraiment grandeur nature, comme ça, très historique, j'y suis jamais allée, mais j'ai fait beaucoup de fêtes médiévales. J'avais une madame CDI en or qui me réservait des livres en sachant. Ah merde! Désolée, ça a coupé. Normalement, l'image devrait revenir rapidement, si elle veut bien. Voilà, elle n'avait plus de batterie sur le téléphone pour changer. Vous savez, c'est un... Je vous zoome. Non, je ne vais pas vous mettre non plus un gros zoom sur ma personne. On ne va pas non plus aller jusque-là. Mais vous savez, il y a toujours la coupeur pub pendant les lives, parce que ça veut dire qu'on a fait beaucoup trop de lives. Et on va bientôt finir, parce qu'il est déjà... Ben, on va finir vers 21h. Voilà. J'avais décidé que c'était un court live. Ça n'a pas été un court live. Voilà. Bon, quelqu'un qui disait qu'elle avait une dame du CDI hyper sympa qui lui réservait des livres et tout. Moi, j'ai pas eu cette dame du CDI là. J'ai eu la dame du CDI hyper vénère qui pétait des câbles pour un rien quand tu faisais des recherches. Moi, j'ai un souvenir de recherche. On faisait des recherches pour les TPE, vous savez. Je sais pas si ça existe encore maintenant à l'école. Et il y avait un groupe dans ma classe qui était juste à côté de moi, en plus des potes à moi, qui faisaient des recherches sur un sujet. Et en fait, le site était pollué de sites un peu, tu sais, de pubs un peu cochonnes sur le côté. Elle les a mis en colle alors que les mecs,
ils aidaient juste des recherches pour leur TPE sur un site qui était en rapport avec leur TPE. C'est pas leur faute si des sites sont bourrés de trucs. Donc ce genre de choses qui pétaient un câble, parce que quand on travaille au CDI pour les TPE, fallait parler comme ça. Et du genre, tu pouvais pas parler alors qu'en fait c'était des horaires destinés pour parler au TPE. Bref, elles étaient folles. Visiblement, elles n'aimaient pas vraiment la littérature parce que quand tu leur demandais des livres, il n'y avait jamais rien. Et de toute façon, les mangas et tout ça, c'était pas de la littérature, donc il n'y en avait pas. Donc voilà, vous voyez, donc j'ai pas un très très bon souvenir de ça. Et voilà, puis nous, le CDI, c'était plutôt, pour plein de gens, un moyen de rester au chaud pendant qu'on se les pelait dans la cour. Donc c'était pas vraiment un endroit de lecture pour tout le monde. J'ai initié ma mère à Shadow and Bones, elle a fini la série toute seule et me pique mes livres sur Grisha. Ah, c'est super cool, c'est sympa. C'est cool quand on peut échanger avec nos parents comme ça, un peu ce qu'on a aimé. En ce moment, je regarde The Last Kingdom, super série. Je n'y attendais pas grand-chose, mais j'étais vraiment un coup de cœur, cette série. Mais moi aussi, j'adore The Last Kingdom. J'attends la dernière saison qui va sortir et qui sera malheureusement la dernière, normalement. Mais j'ai trop hâte. Love and Anarchy, je ne connais pas sur Netflix, il faudrait que je regarde. Ça sent la panne de batterie. Oui, exactement. un drama coréen, il y a... Alors, je n'arrive pas à le prononcer. Heartdale Chronicle, qui est du historique et de la fantasy. Bah, je noterai ça, je vais regarder ça. Voilà. Tu as vu Alice in the Borderland? Non, ça ne me tente pas. Bah, en fait, j'ai un peu du mal avec les réécritures d'Alice au Pays des Merveilles. Il faut vraiment que ça me plaise, mais là, c'était pas terrible. Mais voilà. Je vois qu'on est arrivé au bout des commentaires, si je ne me trompe pas. Voilà, je revérifie sur l'autre panneau, mais a priori, ça a l'air d'aller. Je vais voir ça. Pff, ça bug, donc je sais pas du tout si... Oh, cet ordinateur me saoule. Pff. De toute façon, le matériel de base n'est pas très très bon ici, mais a priori, voilà, on a plus beaucoup de commentaires, donc on va pouvoir finir à l'heure, et ça c'est cool. Si tu adores ce genre d'histoire, procure-toi, j'arrive pas à trop lire, désolé. Dispo en occasion seulement, La Trace du Serpent de Thomas Thompson, rien à voir avec la série. Ouais, désolé, c'est moi qui ai du mal à lire ce soir. Oui, il faut que je vois. Après, l'histoire, c'est... J'ai certaines périodes qui m'intéressent plus que d'autres, voilà. Mais j'ai plein d'autres lectures à lire en ce moment. Donc bah, je pense que c'est tout pour le live, on va finir maintenant parce que là ça s'est un petit peu calmé. Je suis désolée pour la qualité du live, je vais peaufiner ça, c'était vraiment un live test, hein. On aurait pu répondre et discuter. C'était vraiment une histoire de voir que ce qu'il fallait corriger et je vois ce qu'il faut corriger. Et voilà, ça c'est dommage que tout ne se soit pas déroulé comme je le voulais, mais on essaiera de faire mieux pour la prochaine fois de toute manière. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, Cornelius est en live sur Twitch à 21h, donc vous pouvez aller voir Cornelius juste après. C'est fait exprès, non, c'est pas fait exprès, mais vous pouvez aller voir Cornelius. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve, je crois que c'est un update lecture, non, c'est pas un update lecture parce que je l'ai pas encore tourné, peut-être que je l'aurai tourné d'ici là, mais comme j'ai plus de batterie sur l'appareil, sur le micro, je suis pas sûre, je vais peut-être décaler les chroniques, mais ça va être une vidéo mercredi, et puis une vidéo dimanche, qui seront plus globales, on va dire, sur la fantasy. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et de bonnes lectures, et on se retrouve de toute façon mercredi pour une nouvelle vidéo.